Qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et son sang versé pour nous. Et son sang versé pour moi. Je suis dans le livre de Psaume 18. Je vais lire à partir du 28 au 30e verset. La Bible déclare: tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses le regard hautain. Verset 29. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un parle à Dieu. La Bible dit que l'Éternel n'est pas seulement celui qui fait briller ta lumière, mais il est aussi celui qui fait éclairer tes ténèbres. Ce soir, j'aimerais que tu parles à Dieu. Alléluia. Que l'Éternel éclaire tes ténèbres. Je ne parle pas du ténèbre de ton voisin. Je ne parle pas du ténèbre de ta voisine. Je parle de toi. Je parle de ta famille. Toi, tu connais ta vie. Tu connais les réalités de ta famille. C'est quoi les ténèbres? J'aimerais t'aider à prier. Bien-aimé, les ténèbres, en fait, c'est tous les domaines de ta vie où toi, tu ne vois pas clair. C'est ça les ténèbres. Voilà pourquoi David a dit: Éternel, éclaire mes ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y avait un domaine dans la vie de David où David était incapable de voir clair. Alléluia. Toi tel que tu es là, fais l'analyse de ta vie, de ta famille. Quel est ce domaine dans lequel vous ne voyez jamais clair? Ton ténèbre est différent du ténèbre de ton voisin. Voilà pourquoi la Bible a dit ceci: Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. J'aime la parole de Dieu. La Bible n'a pas dit éclaire nos ténèbres, mais la Bible a dit éclaire mes ténèbres. Les ténèbres du pasteur Ramazani, pas les ténèbres de mon frère qui est en face de moi.
Les ténèbres de mon frère qui est en face de moi n'est pas les ténèbres de la protocole qui est à côté de lui. Voilà pourquoi toi qui es ici, j'aimerais que tu te lèves d'abord. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous sommes à Anouka de la lumière. Tu dois prendre conscience de qui tu es. Regarde ta vie. La Bible déclare, éternel, éclaire mes ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Je t'ai dit, les ténèbres, c'est tous les domaines de ta vie où toi tu ne vois pas clair. Alléluia. Maintenant dis-moi, tel que tu es là, tu as quel âge? Votre famille, vous êtes à combien? Qui est marié, qui n'est pas encore marié? Chez vous, à la famille, qui travaille et qui ne travaille pas? Qui a un diplôme de licence chez vous? Tout le monde chez vous, des 6, baccalauréat, c'est tout. Incapable d'aller à l'université. Pourquoi? Parce que les ténèbres, ça n'est accaparé du domaine des études. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu parles à Dieu. Là où tu es, vraiment, ne t'agite pas. Sois précis dans ta prière. Ne sois pas agité. Nous sommes dans Anouka de la lumière. Alléluia. Tu dois prendre au sérieux ta vie. Alléluia. Regarde ta vie avant de prier. Regarde la vie de tes enfants. Parfois, papa, tu es ici. Maman, tu es ici. Tout va bien dans ta vie. Mais il y a un ténèbre dans la vie de tes enfants. Tu ne vois pas clair dans l'étude de tes enfants. C'est un ténèbre. Tu dois implorer la miséricorde de Dieu. Que l'Éternel éclaire tes ténèbres. Alléluia. Bats le main une fois. Non, bats le main une fois. Bats le main deux fois. Bats le main trois fois. Répète après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, ce soir, je te présente ma vie. Tel que je suis, éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Là où tu es, commence à parler à Dieu. Commence à prier. Je ne sais pas si tu vas battre les mains. Je ne sais pas si tu vas circuler dans la salle. Mais parle à Dieu. Les ténèbres, c'est chaque domaine de ta vie où toi tu ne vois pas clair. Quel est ce domaine de ta vie où toi tu ne vois jamais clair? Ce soir, refuse de t'asseoir. Et si vous allez, tellement si vous allez. Tellement si vous allez, vous allez là. Tellement si vous allez. Demain, nous sommes venus à vous. Nous sommes venus à clarté. Toi, tu ne vois pas clair. Dans les mariages, tu ne vois pas clair. Dans les études, tu ne vois pas clair. Dans la maternité, tu ne vois pas clair. Ce soir, l'occasion se présente devant toi. Tu dois prier l'Éternel. Alors que tu bats les mains, alors que tu es en train de prier, je suis en train de voir l'Éternel envoyer la lumière. Je suis en train de voir l'Éternel envoyer la lumière. Parle à Dieu ce soir. Le bel Anzamena pourquoi le lot? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que la porte de Dieu peut prier? Regarde ta vie. Il y a des domaines dans lesquels toi tu ne vois pas clair. Il y a des domaines de la famille où vous ne voyez pas clair. Ce soir, l'Éternel y voit une lumière naïe. Que l'Éternel envoie la lumière. Seigneur, je ne vois pas clair dans mes affaires. Je ne vois pas clair dans mes fiançailles. Dans le domaine du mariage, moi je ne vois pas clair. Ce soir, je viens devant toi. Éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Gondorobochete. Est-ce que quelqu'un peut prier? Parle à Dieu ce soir. Le Bananzambe a éclairé les ténèbres de ta vie. Que l'Éternel éclaire les ténèbres de ta vie. Ce soir, que l'Éternel éclaire les ténèbres de ta vie. Alors que tu es en train de prier, que l'Éternel envoie la lumière. Alors que tu es en train de prier, que l'Éternel envoie la lumière. Bonne là. Parle à Dieu. À nous casser aussi la prière. Quel est ce domaine dans ta vie où toi tu ne vois jamais clair? Quel est ce domaine dans votre famille où toi tu ne vois jamais clair? L'occasion se présente devant toi. Parle à Dieu. Depuis que je suis né, je n'ai jamais
voulait me payer à l'université. Je ne vois pas clair dans le domaine des études. Tel que tu es là, il y a des domaines de ta vie où toi tu ne vois pas clair. Ça fait combien de fois où tu es fiancé, tu changes de fiancé comme on change de vêtements. Il y a des promesses de mariage, mais il n'y a pas de mariage. Pourquoi? Parce que le domaine des mariages, il y a des ténèbres. Toi, tu ne vois pas clair. Mais ce soir, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de prier, que l'Éternel envoie la lumière. Et Karabashata. Et Karabakotorobochete. Dans tes projets là où tu es. Kerebosha Karabasata. Prie, bien-aimé. Prie, prie, prie. Le bon ensemble. Nazomona clarté na vie nanga. Il y a des ténèbres dans ma vie. Éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres ce soir. Chatarabakoto. Le karabaye yeliabasaka. Seigneur, éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Le domaine de ma vie où je ne vois pas clair. Le domaine de ma famille où je ne vois pas clair. Alors que je suis en train de prier. Seigneur notre roi, éternel notre Dieu, envoie ta lumière. Envoie ta lumière. Envoie ta lumière, envoie ta lumière, envoie ta lumière. J'aime ta façon de prier. J'aime ta façon de prier. Alors que tu es en train de prier, que l'Éternel envoie la lumière. Que l'Éternel envoie la lumière. Yes. Tous les domaines de ta vie où toi tu ne vois pas clair, que l'Éternel éclaire tes ténèbres. Shata, Kondorobo Shete, Ekarabababa, Ekarabashete, Ekarabarabaya, Ikerebo Shata, Lotorobo Yakeria Baba, Lundorobo Shata, Ikarabaya Karabababa, Ekerebo Shah, Ikarabakoto, Lundorobo Yakeria Baba, Ikarabasoka, Ekarabaya, Ekarababa, Ekarababa, Ikarababa, Ekarababa. Bondela, 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 Loban and Zambelelo. Les domaines dans lesquels toi tu ne vois pas clair, que l'Éternel envoie la lumière, atteint la lumière naïe. Dans quel domaine toi tu ne vois pas clair, ce soir que l'Éternel envoie la lumière. La kariaba se karababa, rokonto robo yeke, et la sita la baïkampe, et la sita la baïkampa, et la kilebero paï de l'osaya. Zambatine la lumière naïe. Dans les domaines de ta vie où toi tu ne vois pas clair. Darabaye keria baba baba. Et sakalabayeke. Et karabaya talabasete. Le Dieu de Anouka est là. Le Dieu de Anouka est là. Le Dieu de la vie est là. Quel est ce domaine de ta vie où toi tu ne vois pas clair? Envoie la lumière. Envoie la prière. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier là où il est? Le fayada sate. Kondorovoye keria baba. Alors que tu es en train de prier, je vois l'Éternel envoyer la lumière dans les domaines de ta vie où toi tu ne voyais pas clair. Où toi tu ne voyais pas clair. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière encore. J'aime ta façon de prier. J'aime ta façon de prier. Alakara yabayaka. Et ta rabaye keria basata. Yes, j'aime ta façon de prier. Tu as conscience de ta vie, de ta famille, des réalités spirituelles qu'il y a dans votre famille. Et la kapala basse. Et karabaya tapala. Sanda rabaye keria baba. Le tarakatele bosia. Et li karabaye keria baba. Sotali abakete. Ella yapa ya baba. Hey! Est-ce que quelqu'un peut prier? Priez. Bartimée a dit à Jésus: Fils de David, aie pitié de moi. Car il y avait un domaine dans sa vie
où il ne voyait pas clair. Il était aveugle. Et Satan, et rakate le bochate, et la baba baba, et karabaya. Je commence à faire envie de prier. Et karabaya, et teria baba, et Satan. Au nom de. Écoute, écoute. Piano. Bien-aimé. Bartimée était aveugle. Mais il avait la capacité de marcher. Alléluia. Mais il a entendu parler de Jésus. Il a dit non. Il a crié. Fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi? Malgré qu'il pouvait marcher, il y avait un domaine de sa vie où Bartimée ne voyait pas clair. Alléluia. Il y a des gens ici. Tu me suis. Tu es en ligne, tu es ici. Il y a des domaines de ta vie où tu ne vois pas clair. Tu viens à nous qu'à tous les jours. Depuis le premier jour, nous sommes au 33e jour. Il y a des domaines de votre famille où toi tu ne vois pas clair. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Ce soir, tu dois te lever en prière. Amen, amen. Ne suis pas l'attitude de ton voisin. Tu n'es pas venu ici pour ton voisin. Tu es venu pour toi. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi tu dois prier. La Bible déclare, Éternel, éclaire mes ténèbres. Pas les ténèbres de ma famille, mais mes ténèbres d'abord. Parce que toi, tu as une vie. À part le fait que tu sois membre d'une famille, toi-même d'abord, tu as une vie. Il y a des choses dans ta famille, dans ta vie d'abord. Toi, tu ne vois pas clair. Tu as étudié, tu travailles, mais ça fait des années que tu n'arrives pas à te marier. Les domaines du mariage, tu ne vois pas clair. Tu es marié, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, tu n'as pas d'enfant. Les domaines de maternité, il y a une ténèbre, tu ne vois pas clair. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois t'élever en prière. Tu es ici, tu es étudiant. Tu as fait 10 ans dans une université. Alors que tu devais faire 5 ans. Pourquoi? Chaque année, tu dois reprendre. J'ai 1, tu reprends, tu passes. J'ai 2, tu reprends, tu passes. J'ai 3, tu reprends. On te refuse dans la faculté. Pourquoi? Dans les domaines des études, il y a des ténèbres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux te lever d'abord? Lève-toi là où tu es. J'aimerais voir l'église debout. On va encore prier le Seigneur. Télémé si cosa, non, c'est l'autre élément. J'aimerais que tu te lèves. Alléluia. Ce soir, je ne veux pas que tu sois agité. Ce soir, je veux que tu sois précis dans ta prière. Regarde un peu ta vie. Est-ce que tu es convaincu dans ta vie telle que tu es là? Il y a des domaines où tu ne vois pas clair. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez? Alléluia. Est-ce que vous pouvez un peu diminuer le son, s'il vous plaît? J'aimerais partager avec le bien-aimé. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me convainc d'insister sur ce point de prière. J'ai tellement beaucoup de points de prière, rassurez-vous. Mais l'Esprit de Dieu me demande d'insister. Il y a dans ta vie les domaines dans lesquels tu ne vois pas clair. Ça fait 10 ans. Tu ne pries que pour le même problème. Tu es belle. Ça fait 5 fiancés que tu n'arrives pas à te marier. Les domaines du mariage, tu ne vois pas clair. Frère, tu es ici, tu es en ligne, tu me suis. Très intelligent. Quand tu parles le français, impeccable. Tu as un bon CV. Mais ça fait 10 ans que tu es dans le chômage. 10 ans. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu es compétent. Il y a des offres d'emploi qui arrivent. Mais quand il arrive seulement à ton tour, toi-même, tu sais qu'on ne va pas te prendre. Pourquoi? Parce que dans le domaine du travail, tu ne vois pas clair. Il y a une ténèbre. Voilà pourquoi la Bible dit, Éternel, éclaire mes ténèbres. Ne sois pas agité. Alléluia. Mais regarde d'abord à ta vie. Si je quitte le domaine de ta vie, j'entre dans votre famille. Toi-même, tu sais que dans votre famille, on peut tout dire. Mais 1 000 $, personne ne peut toucher à ça. Personne. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais qu'on peut tout dire. Mais chez vous, à la maison, personne n'est jamais allé à l'université. Personne. Papa, maman et tous les enfants. Bac plus 0. Tout le monde baccalauréat. Alors qu'il y a des moyens.
Toi, tu ne comprends pas. Tu es très intelligent. Tu as décroché ton baccalauréat. Tu n'as pas compris comment. Ça fait 5 ans depuis que tu es diplômé d'État. Tu ne vas pas à l'université. Tu es dans les quartiers. Tu es en train de sillonner. Ta vie ressemble à tout, sauf à une vie. Pourquoi il y a des ténèbres? Ce soir, j'aimerais réveiller ta mémoire. Que tu sois révolté. Que tu dises trop, c'est trop. Il y a trop de ténèbres dans ma vie. Dans ces domaines, je ne vois pas clair. Je ne peux pas finir à Nouka comme ça. Moi, je dois voir clair. C'est pourquoi David a dit, Éternel, éclaire mes ténèbres. Pas les ténèbres de mon voisin. Parce que je ne connais pas la vie de mon voisin. Alléluia. Voilà pourquoi je te demande encore, lève-toi, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, je te présente ma vie. Éclaire mes ténèbres. Il y a des domaines de ma vie où je ne vois pas clair. Il y a des domaines de ma vie où je ne vois pas clair. Ce que je bête à ma boko. Ce que je tambo la naïebite. Mais la soie ben yo penza. Olo bananzambe a éclairé des ténèbres de ta vie. Orobo chata. E karabaye keria basata. Kondorobo chete. E karabayeti. Satarabaye keria baba. Lo soperia baba. Kopraya da sete. Éclaire mes ténèbres, Seigneur. Éclaire les ténèbres de ma vie. Éclaire les ténèbres de ma famille. Le domaine dans lequel je ne vois pas clair. Alléluia. Bonne-là, bonne-là. Tu es libre de prier. Tu es libre de parler à Dieu. On t'a escroqué de l'argent. Ça fait 10 ans. Pour les voyages. Pour les visas. Tu n'arrives pas à obtenir un visa. Le domaine du voyage, tu ne vois pas clair. Le bananzame n'a pas tout à l'élo. N'a l'ingina mon à clair. Ténèbres où Meli. Il y a trop de ténèbres. Je dois voir clair. Anarabaye keria baba. Sakarabaye ki. Parle à Dieu, parle à Dieu. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Cette situation a longtemps duré. Ton ministère ne va pas de l'avant. Ta vie n'évolue pas. Il y a un domaine de ta vie où tu ne vois pas clair. Or la Bible déclare, Éternel, éclaire mes ténèbres. Korabachete. Enarabaya kapa. E karabaye keria baba baba. La karabaye ke. Parle à Dieu. Toi-même tu connais ta vie. Toi-même tu connais ta famille. Tu connais le domaine de la vie de tes enfants. Maman, prie pour tes enfants. Maman, prie pour tes enfants. Maman, prie pour ton mari. Toi-même, tu connais la vie de ton mari. Il y a un domaine de sa vie où il ne voit pas clair. Il y a un domaine. Fiancé, tu es ici. Prie pour ton fiancé. Prie pour lui. Prie pour elle. Priez, priez. Et karabaye kapa. Sandarabaye keria bababa. Sakarabaye ke. Et la bababa sata. Envoie ta lumière ce soir. La porte des cieux t'appelle. La porte des cieux crie à toi. Envoie ta lumière. Korobochete. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Il y a un domaine de ta vie. Oh yo mon aka clarté. N'aboutois les lots. Il faut mon à clair. Tu dois voir clair. La lumière doit venir. Perebo chata. Et kanabasete. Protocole prier. Priez, priez, priez. Parle à Dieu. Intercesseur, priez. Il y a des domaines de ta vie où toi tu dois voir clair. La lumière doit venir. Tu ne vois pas clair dans quel domaine. Arabaya kapala basete. E karabaye telia basata. O talaika pele bosa. O lakaya basete. Il y a des promesses, des prophéties sur ta vie. E karabaseta. Père, je suis en train de prier. Je suis en train de t'invoquer ce soir dans la vie de mon frère et de ma soeur. Éclaire nos ténèbres ce soir. Il y a des domaines de nos vies où les ténèbres ont régné.
on ne voit pas clair dans nos projets, dans nos CV, nos fiançailles, nos mariages, nos entreprises. On ne voit pas clair. Ce soir, nous invoquons la lumière. Éclaire nos ténèbres, Seigneur. O karabayete, idarabaye keria baba, sandarabakete, kerebelebo shata, koroboshia, koroboshike, ikerebo sata, ikerebo setebia baba baba. Parle à Dieu ce soir. Le bal ensemble, les domaines dans lesquels je ne vois pas clair, où il n'y a pas de lumière, je dois voir la lumière. Que la lumière vienne dans mon foyer, dans mes fiançailles, dans mes projets, dans mes études. Que la lumière de Dieu vienne. Ola bacheti, ikerebo sata kala basia, orebo sata la baketa, izele kamande le bosha, ola basata, ekara basite. Parle à Dieu ce soir, bien aimé le bal ensemble. Osomo na clarté, na domaine ni na molelo, domaine ni na vie na yo. Osomo na clarté, zambati na lumière na ye, zambati na lumière na ye. Dans quel domaine tu ne vois pas clair? Ola basete, ola kapaya basete. La porte des cieux est en prière. À nous qu'a des lumières. Toi, tu dois voir clair dans ta vie. Quel est ce domaine de ta vie où tu ne vois pas clair? Et karabaseta, saïde l'oïpa, saïde l'oï de pawa de l'eau. Et rokoto l'oboche, et karabasata, ikerebo sekeri ababa, et moroboshike, et moroboshike, et kali de sate, et kali de l'okia, envoie ta lumière dans ma vie. Il y a des domaines de ma vie où je ne vois pas clair. Il y a des domaines de ma vie où je ne vois pas clair. Je suis en train de prier. Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Les ténèbres de ma famille. Les ténèbres de ma vie. Éclaire, éclaire, éclaire mes ténèbres. Oh Dieu. Et Karabasha. Et Karabasete. Isalabakoto Loboshi. O Rokoto Moikapa. Isele Ababa. On le voit si que tu as. On ne le voit que les abasata. Et calabaïkape. Corobosheti. Corobosekeri abababa. On ne le voit si que les ababasete. Éclaire mes ténèbres. Que les ténèbres reculent. Que les ténèbres reculent. Le domaine de ma vie où je ne vois pas clair. Éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Oh Dieu. Éclaire mes ténèbres ce soir. Éclaire les ténèbres de ma famille. Éclaire-nous, Seigneur. Il y a des domaines de nos vies. On ne voit pas clair. Dans un monde clair, Tenzambe. Il y a des domaines de ta vie où toi, tu ne vois pas clair. Naboutoua le long. Là, il faut mon clair. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Commence à battre les mains. Yes. Je commence à avoir envie de prier. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains maintenant. Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Commence à battre les mains. Bas les mains, bas les mains. Alors que tu bats les mains, je vois les ténèbres partir. Alors que tu bats les mains, je vois les ténèbres partir. Alors que tu bats les mains, je vois la lumière de Dieu éclairer chaque domaine de ta vie où tu ne voyais pas clair. Priez, priez, priez. J'aime ta façon de prier. Le bon ensemble le lot. Domaine nous sur l'ibota na biso. Oh, ton monde a clarté. Na boutoua le lot. Éclaire mes ténèbres. Na zo mon a clair. Na zo mon a clair. Lumière ensemble. Ezo kota. Lumière ensemble. Ezo kota. Na vie na ngai. Lumière de Dieu. Et karabasete. Dieu. La porte des cieux est prise ce soir.
vois la lumière. Yahweh, la porte des yeux crie à toi ce soir. Tous les mon clé était dans la vie d'Abisso. Tous les mon clé était dans ma botte d'Abisso le long. Yahweh envoie la lumière. Que nous puissions voir clair. Que nous puissions voir clair ce soir. Oh Karabaye Keria Baba Baba Baba. Yahweh, prions, prions. Et Kapa Yahwaseka. Baba, bonne là, bonne là, bonne là. Prends-toi en charge toi-même. Parle à Dieu ce soir. Sandarabaye Keria Baba Baba. Le Karabasete. Et Korobosite Ria Baba. Priez. Parle à Dieu. Le bon ensemble. Tina lumière na yo. Na domaine de sa vie na nga. On a son clarté. O karabasete. O karabayata la basete. Personne ne va prier à ta place. Personne ne va prier pour ta famille à ta place. Parle à Dieu. Toi-même, tu connais ta famille. Toi-même, tu connais ta vie. Quel est ce domaine de ta vie où toi, tu n'as jamais vu clair? Saya, baya, baya. Envoie ta lumière. Je vais voir clair aujourd'hui. Je vais voir clair ce soir. Oh, baba, chétéli, baba. Oh, korobo, chétéli, baba. Saï de l'eau, de power de l'eau. Nous sommes à la dernière semaine de Hanouka. Nous voulons clôturer Hanouka. Alors que toi, il y a des domaines de ta vie où il y a toujours des ténèbres. Ce soir, parle à Dieu. L'homme ensemble, la domaine Oyo, nous avons la clarté. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair. Envoie ta lumière. Envoie ta lumière. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quel est ce domaine de ta vie? Oh yo yo mon clair tel le long. Yo il faut mon clair. Tu dois voir la main de Dieu. Korobo sheti. Korobo yakara baba sheti. On te reboye keria baba baba. Sakarabaye Keria Bakoto. Le Koroboye Keria Baba. Alors que tu es en train de prier, je vois l'Éternel envoyer la lumière dans ta vie. Alors que tu es en train de prier, je vois l'Éternel envoyer la lumière dans ta famille. Alors que tu es en train de prier, je vois l'Éternel envoyer la lumière. Pose des yeux, prier. Pose les yeux, prier. Parle à Dieu. Il y a des domaines de ta vie. Oh yo, mon acclair, tel le feu, mon acclair. Priez. Priez. Si tu es fatigué de prier pour toi, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta grande soeur, ta maman, ton papa. Bonne de la pour la fiancée na yo. Allah baba 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 baba. Lève-toi, bas les mains. Mets ma boque sur ton sang. Korobo sete. J'aime ta façon de prier. J'aime ta façon de prier. Tu es tellement conscient. Tu es tellement conscient de ta vie, de ta famille. Il y a des domaines où il y a la clarté. Il n'y a jamais eu de lumière dans ces domaines-là. Mais ce soir, alors que tu es en train de battre les mains, je vois la lumière de Dieu entrer. Alors que tu bats les mains, je vois l'Éternel envoyer la lumière. Et là-bas, saka là-bas, yeke. Et la kapa là-bas, c'était. Là, mon éclair.
Priez, priez. Priez le Seigneur, priez. J'aime ta façon de prier. Ha. La lumière. Ha. La lumière de Dieu est là. La lumière de Dieu est disponible. La lumière de Dieu est là. La lumière de Dieu est disponible. Il n'y a que toi qui doit monter. Monte en prière et reçois la lumière. Monte en prière et reçois la lumière. Sois éclairé. Oh, bien-aimé, priez. Priez, priez, priez. Prends ton temps. On est à Anouka. Prends ton temps de prier. Regarde ta vie. Regarde ton ministère. Quel domaine tu as besoin de la lumière? Parle à Dieu. Et la capa la basse. Et la capa la baya capa. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Le Dieu qui répond à la prière. Priez, priez. Regarde ta vie. Ne sois pas l'ennemi de ta propre vie. Ne sois pas l'ennemi de ta propre destinée. Regarde ta vie. Là où tu ne vois pas clair, dis à Dieu, dans ce domaine, je ne vois pas clair. Je vais voir la lumière. Je vais voir la lumière. Le Karabas est allé à Bakota. Oh mon Dieu, la porte des cieux est en prière. La porte des cieux t'invoque. La porte des cieux crie à toi. Les domaines de nos familles où on ne voit pas clair, ce soir, envoie la lumière. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Chacun est venu chercher Dieu pour sa propre vie. Chacun est venu chercher Dieu pour sa famille, pour sa destinée, pour son futur. Aujourd'hui, toi, tu dois voir la main de Dieu dans ces domaines-là. Où il y avait les ténèbres. Au nom de... Prends ta Bible avec moi, lève-toi. Prends ta Bible. Piano, on peut diminuer un peu. Prends ta Bible avec moi. Lève-toi, prends ta Bible, on va prier. Lève-toi, prends ta Bible. Lève-toi là où tu es, prends ta Bible. Je suis dans le livre des Juges, chapitre 6. Lève-toi là où tu es. On va prier sans instrument. Ce point de prière est très capital. Bien-aimé, toi, à la fin de Anouka, il faut mon éclair. Ah, tu ne m'as pas dit amen. J'ai dit ceci, à la fin de Anouka, toi tu dois voir clair. Dans chaque domaine de ta vie où tu ne voyais pas clair, à la fin de Anouka, toi tu verras clair. L'Éternel enverra la lumière. Alléluia. Ta façon de me dire amen m'étonne. Tu as pris ta Bible. Papa, est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce que tu as les mains? C'est point de prière ici. On va prier sans instrument. Les instruments, la musique, ce sont tes mains. Écoute bien l'instruction de ces points de prière. Juges chapitre 6. Je suis à partir du premier verset
Je lis jusqu'au troisième. La Bible déclare, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Dis à ton voisin, pendant 7 ans. Non, dis à ton voisin, voisin, pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Servant de Dieu, chaque année, pendant 7 ans, Israël, chaque fois il semait, Amalek venait pour prendre. Maintenant, moi, ce qui m'étonne, c'est que pendant 7 ans, Israël vivait le même scénario. La première année, j'allais comprendre. La deuxième année, j'allais comprendre. Mais troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, septième année, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Pendant 7 ans, Israël vivait le cycle des échecs. Il sème, quelqu'un d'autre vient récolter à sa place. Pendant 7 ans, alléluia, tu es ici. Pour Israël, c'était 7 ans. Mais toi, tel que tu es là, ça fait parfois 10 ans. Tu changes de fiancé comme on change des habits. Il n'y a pas de mariage. Est-ce que tu me comprends? J'étais offensé. J'ai mal parlé. Alors, dis amen bien. Non, dis amen bien. Ça fait 10 ans que tu cherches de l'emploi. Tu ne prends pas d'emploi. Pourquoi? Tu es dans un cycle des échecs. Depuis que tu étais entré, toi, tu ne savais pas que tu étais entré dans ce cycle-là. Tu cherches de l'emploi, tu ne peux pas apprendre. Pourquoi? Tu es dans un cycle des échecs. Chaque année, Anouka, recharge. Anouka, recharge. Les mêmes problèmes persistent. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que ce soir, tu vas briser le cycle des échecs. Alléluia. Dans ta famille, tu vas briser le cycle des échecs. Dans votre famille, tout le monde meurt à 58 ans. Votre grand-père meurt. Il était mort à quel âge? 58 ans. Ton papa est mort à 58 ans. Tu commences à avoir peur. Pourquoi? Parce que ta maman a 56 ans. Tu te dis peut-être dans 2 ans, maman aussi va. Maman va partir. Mais si tu t'élèves en prière ce soir, alléluia, tu vas briser les cycles des échecs. Amen, amen. Voilà pourquoi j'ai demandé aux musiciens de ne pas faire le bruit. Que tes mains là soient les bruits qui vont briser les cycles des échecs. Alléluia. Je ne sais pas si tu vas circuler dans la salle. Je n'ai pas besoin de crier. Toi, tu vas crier à ma place. Tu vas battre les mains parce que tu connais ta vie. Toi-même, tu sais dans quel domaine il y a un cycle des échecs. Tu prends, tu recommences, tu échoues. Tu prends, tu recommences, tu échoues. Tu prends, tu recommences, tu échoues. Toi-même, tu sais que quand tu commences comme ça, tu vas toujours échouer. Toi-même, tu es convaincu. Mais ce soir, les cycles des échecs tombent au nom de Jésus. Voilà pourquoi, répète après moi, au nom de Jésus. Ah bon, on laisse à nous de prier, hein? N'est-ce pas? On laisse de prier. On laisse. Quelqu'un est fatigué? Quelqu'un aime la prière? Quelqu'un veut mettre fin au cycle des échecs dans sa vie? Voilà pourquoi, répète après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ma vie, dans ma famille, alors que je bats les mains, je mets fin au cycle des échecs dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Bats les mains là où tu es. Bats les mains, bats les mains, bats les mains. Augmente en prière. Pendant que tu bats les mains, tu es en train de mettre fin au cycle des échecs. Toi, tu ne vas plus répéter les mêmes échecs, les mêmes erreurs. Bats les mains là où tu es. Bats les mains, t'es les messieurs Zali. Beta Maboko. Bandako Bebisa. Le cycle des échecs dans ta vie, dans ta famille. Nazo Kayote. Bats les mains, bats les mains. Beta Maboko, Beta Maboko. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je ne t'entends pas prier. Ta façon de prier m'étonne. Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Bas les mains, Siko Zali. Alors que tu es en train de battre les mains, l'Éternel détruit dans ta vie, dans ta famille, les cycles des échecs. Au nom de Jésus, toi tu ne vas plus recommencer les mêmes erreurs, les mêmes échecs, les mêmes problèmes aujourd'hui alors que tu bats les mains. Ceci s'arrête au nom de Jésus. Monte en prière, monte en prière. Oh mon Dieu,
alors que je bats les mains, je suis en train de détruire dans ma vie, dans ma famille, les cycles des échecs au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Bats les mains là où tu es. Bête à ma boca, monte en prière. Monte en prière. Tu es habitué à prier avec le piano. Aujourd'hui, toi-même, tu vas créer le bruit. Le bruit que tu crées est en train de détruire les cycles des échecs. Quelque chose doit s'arrêter aujourd'hui. Pas demain, pas après. C'est maintenant. Toi, tu dois dire trop, c'est trop. Je suis fatigué de recommencer les mêmes problèmes aujourd'hui, alors que je bats le mât, que ceci s'arrête. Quel est ce problème-là? Quel est ce domaine dans ta vie où il y a toujours les mêmes problèmes qui se répètent, aujourd'hui? Bas le main, bas le main. Bête ma boko, détruis Yango. Détruis Yango. Ebe balelo. Ebu kanalelo. L'obité, lelo. Les cycles des échecs. Les échecs, les mêmes problèmes aujourd'hui. Ça doit s'arrêter. Priez le Seigneur. À nous qu'à des lumières. Parle à Dieu. Les mêmes problèmes dans les mêmes secteurs, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Il y a des gens ici. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu ne récoltes pas. Mais aujourd'hui, alors que tu bats les mains, Ozobi mana système wana. Ozobi mana système wana lelo. Beta maboko bondela. Beta maboko bondela. J'aime ta façon de prier. J'aime ta façon de prier. Pendant que tu bats les mains, je vois les murailles tomber. Pendant que tu bats les mains, je vois des statuettes tomber. Alors l'Éternel me dit de te dire que le peuple de Dieu reçoit la victoire. Reçoit la victoire pendant que tu bats les mains. Korabashata. Priez. Bas les mains là où tu es. Bas les mains là où tu es. Oso baby ça. Les cycles des échecs dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Moi, il y en a eu avant de la classe. Chaque année, avant de passer, il doit répondre pour avancer. Aujourd'hui, que ceci s'arrête. Priez, priez. Ta façon de battre les mêmes étonne. Ta façon de battre les mêmes étonne. Alors que tu montes en train de battre les mains, je vois l'Éternel briser les échecs dans ta vie. Alors que tu es en train de battre les mains, je vois l'Éternel mettre fin au cycle de ces problèmes dans ta famille. Hey. Hey. Priez, priez, priez. 30 secondes, 30 secondes. Bas les mains. Pendant 30 secondes. Bas les mains, détruis. Les cycles des échecs. 10 secondes, 10 secondes. Bas les mains là où tu es. Bas les mains. Bas les mains là où tu es. Karabacheke. Je suis en train de détruire. Au nom de Jésus. Pendant que je bats les mains, je crée le bruit. Le bruit qui fait écouler. Les murailles des échecs. Les murailles des problèmes qui s'est érigé devant moi, devant ma famille. Aujourd'hui, pendant que je bats les mains, que cela tombe au nom de Jésus. J'aime ta façon de prier. J'aime ta façon de prier. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. 10 secondes. 10 secondes. Augmente ta voix. Augmente ta voix. 10 secondes. 10 secondes. Korobo Shata. Le Karabase Keriaba Konto. O Tarabaye Keriaba Baba Baba. Le Dieu de la maison de Dieu est là. Le Dieu de Hanouka est là. Pendant que tu bats les mains, l'Éternel met fin au règne des problèmes à répétition que tu avais l'habitude de voir aujourd'hui dans ce Hanouka 2024, Hanouka de la lumière. L'Éternel met fin à ce cycle au nom de Jésus. Le Dieu de la liberté est là. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, tu es libéré. Pendant que tu bats les mains, reçois la liberté. Priez, priez, priez. Priez pour ta vie.
Parle à Dieu. Maman, prie pour tes enfants. Prie pour la vie de ton mari. Tu ne connais pas les réalités dans son travail. Tu ne peux pas imaginer. Priez. Maman, prie pour tes enfants. Ils vont à l'école tous les jours. Toi, tu n'es pas là. Ils ont des difficultés. Ils n'arrivent même pas à te dire. Mais par ta prière, tes enfants sont sauvés. Par ta prière, tes enfants sont sauvés. Pendant que tu bats les mains, je vois l'Éternel t'accorder la victoire. Pendant que tu bats les mains, je vois l'Éternel t'accorder la victoire. Pendant que tu bats les mains, aujourd'hui, les cycles des échecs s'arrêtent au nom de Jésus. Au nom de... Bats les mains une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Dis à ton voisin, je suis victorieux. Dis à cinq voisins, je suis victorieux. Lève-toi. Dis à cinq voisins, je suis victorieux. Ta façon de marcher m'étonne beaucoup. Dis à cinq voisins, je suis victorieux. Dis à cinq voisins, je suis victorieux. Assis-toi dans ton adresse de la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. J'ai toujours envie de prier. Qui a envie de prier encore? J'ai tellement envie de prier. Mon esprit a besoin de prier. Bien-aimé, Anouka, c'est Anouka de la prière. Je suis convaincu qu'à la fin de Anouka ici, les domaines dans lesquels tu ne voyais pas clair, tu vas voir clair. C'est moi qui t'ai dit, je suis ici sur l'autel de notre Père. Et je l'ai dit en connaissance de cause. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus a pu sauver la vie de Bartimée, pourquoi pas toi? Bien-aimé, Bartimée pouvait marcher, mais il y avait un domaine de sa vie où il ne voyait pas clair. Et il a vu clair, pourquoi Jésus a intervenu. Pour ton cas aussi, avant la fin de Hanouka, Jésus va intervenir. Ah, tu n'as pas dit amen. Je m'adresse à ton voisin. Pour ton cas aussi, Jésus va intervenir. Je m'adresse ici. Pour ton cas, Jésus va intervenir. Alléluia. Alors écoutez, il y a les annonces. Comme vous le savez, Hanouka 2024 prend fin le dimanche prochain. Alléluia. Ah, bas le maire, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un marathon de prières. Pendant 40 jours, nous sommes ici en train de prier à midi, à 16h, à minuit, à 6h. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu avec un grand thème, que la lumière soit. Alléluia. Et le 10 mars, nous allons clôturer notre programme de prière et ça ne sera pas ici. Nous serons à l'échangeur de Limité. Ça sera à partir de 14h. Donc, retenez très bien, vous qui êtes venus ici et vous qui nous suivez en ligne. Le 10 mars, nous allons clôturer Hanouka 2024 avec un méga programme dénommé Kinshasa Bolamoki. Alléluia. Kinshasa Bolamoki à l'échangeur de Limité de 14h à 18h. Et nous aurons des bus. Il y aura des bus qui vont vous prendre des points A vers l'échangeur et de l'échangeur vers le point A. Amen, amen. Écoutez maintenant les points. À la Tchangou, il y aura les bus à Kinkole, à Badara, Kingasa Nyasuka, vers la maison communale de Kimbanseke. Il y aura aussi les bus vers Massina Pascal. Amen, amen. Tu es là, au fond d'Arna Pascal, tu habites vers Pascal, il y aura des bus qui vont prendre les gens là-bas et les amènent vers la place de l'échangeur. Alléluia. Il y aura aussi vers Kitambo Magasin, station Total, Bandal, référence vers Sebeko, l'hôpital Sebeko qui est à Bandal. Commune de Kinshasa, Bon Marché, Ndolo, Complaste, Échangeur. Commune de la Gombe, Gare Centrale, Sosimats, Batetela, Royal 24, directement, Échangeur. Commune de Mongafula, les gens de Mongafula, on ne vous a pas oublié. Boulangerie, Autostop, Entrée Unikin, Triangle, Rond-Point Gaba, Lemba Terminus, Lemba Salongo Super, directement ici, à l'Échangeur de Limité. Commune de Kasavubu, Force, Entrée, Marché Gambela, Rond-Point Victoire, UPEN, et pardon, Hôpital Bondeko, directement ici à l'échangeur. Commune de Selembao, il y a la prison centrale de Makala,
vers l'arrêt tarmac. Marché Shell, il y aura aussi les bus là-bas. Et on nous informe que nous allons porter nous tous à la clôture les polos. Et les polos, c'est à 15 dollars. Amen, amen. On va clôturer à nous car l'échangeur de l'imité et il y a des polos. Tel que tu es là, à la fin du culte, va derrière, achète ton polo. Amen, amen. Amen, amen. Et cette semaine, on nous informe que cette semaine, il y aura une grande mobilisation. Les samedis prochains, nous avons carnaval. Carnaval motorisé, il y aura des motos, il y aura des véhicules. Alors, le prophète insiste que toute l'église participe à ces programmes. Papa, maman, jeunes, vieux, venons les samedis prochains. Nous allons participer à ces programmes de carnaval. Nous allons circuler dans toute la ville avec les voitures, les motos, les bus. On va faire le bruit. Amen, amen. On va annoncer la bonne nouvelle. Nous allons inviter tout Kinshasa ici à l'échangeur de l'Imété le dimanche prochain. Amen, amen. Qui a retenu? Le programme, c'est un seul. Le samedi prochain, le 9 mars 2024, les avant-midi, il y aura carnaval motorisé. Tout le monde va porter son polo de Hanouka. Il y aura des tracts, il y aura des affiches. On va donner à tout le monde. On va circuler dans toutes les rues de Kinshasa. Victoire, Magasin, Kimbanseke, Lemba, Super Lemba, Rompwengaba, Mongafula, partout, on va faire le bruit. Amen, amen. Il faut que Kinshasa soit dans Kinshasa Bolamoki. Amen, amen. Que tout le monde soit impliqué. Tu es membre de cette église, sois impliqué. Amen, amen. Et on nous informe que vous avez des partenaires, des hommes et des femmes qui aiment l'œuvre du Seigneur. Ils aiment ce qui se fait ici et ils veulent contribuer. Alléluia. Il y a des invitations et des enveloppes qui sont au niveau de l'administration. Passez, récupérez les invitations, les enveloppes et vous allez donner à vos amis, vos parents, proches, connaissances. Amen, amen. Amen, amen. Qui est dans la joie ce soir? Je vois comme si quelqu'un est fâché. Hein? Si tu n'es pas fâché contre moi, alors acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut apporter le panier des offrandes? On va offrir à Dieu sous cette atmosphère. Regarde un peu ton offrande. Tu viens de prier à Dieu. Je n'ai pas beaucoup d'exhortations à te faire. Regarde le point de prière dans lequel toi tu as prié aujourd'hui. Dans Psaume 18, la Bible dit, l'Éternel éclaire mes ténèbres. Dans ta vie, dans tes finances, toi-même tu es là, tu es assis, tu sais que tu ne vois pas clair. Dans les domaines d'argent, il y a des sommes que tu n'as jamais touchées depuis que l'année a commencé. Mais aujourd'hui, par ton offrande, tu peux arrêter un cycle. Par ton offrande, tu peux entrer dans une nouvelle dispensation. Alléluia. Voilà pourquoi, toi qui me suis, prends ton offrande là où tu es. Prends ton offrande. Il y a des domaines de ta vie où tu ne vois pas clair. Sur tous les domaines des finances, il y a beaucoup de gens ici. Les domaines des finances, c'est très compliqué. Chaque fois quand tu dors, tu rêves que tu touches des millions, des milliards de dollars. Mais quand tu te réveilles, tu n'as rien en poche, rien du tout. Mais laisse-moi te dire, il est possible que toi, tu vives réellement les rêves que tu fais la nuit. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel est capable de t'introduire dans une saison où les finances n'est plus un problème pour toi. Amen, amen. Regarde à ton offrande. Aujourd'hui, tu ne dois pas offrir comme d'habitude. Parle à Dieu et parle à ton offrande. Touche ton offrande là où tu es. Que tout le monde là où vous êtes, on s'élève et que chacun touche son offrande. Là où tu es, tu peux t'élever. N'offre pas encore, lève-toi d'abord. Et tu touches ton offrande. Lève-toi. Que toute l'église s'élève. Et tu touches ton offrande. Que toute l'église s'élève là où tu es, lève-toi. Et tiens ton offrande entre tes mains. J'aimerais que tu parles à Dieu. Et que tu parles à ton offrande. Que tu dises à Dieu, dans les domaines des finances, que les ténèbres cessent. Si toi tu penses que tu es déjà arrivé
dans le domaine des finances, tu peux même déclarer pour ton papa, ou même pour ta femme, ou même pour tes enfants. Tu dis à Dieu, aujourd'hui, l'offrande que je donne, c'est pour déclencher une nouvelle saison de finances dans ma famille. Alléluia. Parle à Dieu. Tu as 10 secondes. Parle à Dieu. Élève ta voix. Parle à Dieu. Yes. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que les domaines des finances reçoivent la lumière. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à ton offrande. Dis à Dieu ce soir que mon offrande m'introduise dans une nouvelle dispensation, une nouvelle saison dans laquelle les finances ne sont plus un problème pour moi. Au nom de... Approche-toi avec ton offrande. Approche-toi avec ton offrande. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main comme ça? Ça, c'était juste pour me montrer que tu es vraiment dans la salle. Maintenant, est-ce que tu peux être sur tes deux jambes et acclamer pour Jésus? J'ai pensé qu'il s'agissait de Jésus. Soit on parle de la même personne, soit on ne parle pas de la même personne. Soit on parle du même Seigneur, soit il s'agit d'un autre. S'il s'agit du même Seigneur, je verrai la même attitude auprès de tous. S'il s'agit du même Seigneur, j'entendrai de même teneur d'acclamation à l'endroit de ses cieux. Si tu reconnais avoir reçu le souffle de vie venant de lui, est-ce que tu peux pousser un cri de joie? De joie, un cri de joie, un cri de joie. Alléluia, 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 alléluia. On va célébrer ce Dieu. On va dire Sola yaya, Mwana tambi bukalombana. Sola yaya, Sola yaya, Mwana tambi bukalombana. Zola ya ye. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? On va célébrer Jésus. Bouge. Pousse un cri de joie. Zola ya ya. Mwana zambi bukalombana. Zola ya ye. Zola ya ya, mwana zambi bukalombana. Zola ya ye, ye, ye le le le. Zola, zola ya ya, mwana zambi bukalombana. Zola ya ye ye ye. Kese ya ya, mwana zambi bukalomba na. Kese ya ye 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 ye. Kese ya 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 ya. Oh kese, kese ya ya, mwana zambi bukalomba na. Kese ya ye ye ye. Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus?
Toi Jésus, nous célébrons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi Jésus, Yahweh, qui soit loué, qui soit loué, qui soit loué. Qui soit loué, oui, qui soit loué, qui soit loué, qui soit loué, qui soit loué, oh, qui soit loué, qui soit loué, qui soit loué, qui soit loué, oh, louons, louons, oh, louons, louons, oh, Bolingo nanga na Yesu e yasuka te o. Oh, bolingo nanga na Yesu e yamakila e. Oh, bolingo nanga na Yesu e yasuka te o. Oh, bolingo nanga na Yesu e yasuka te o. Kolo Yesu babeta ki opo na ngaye, babeta ki opo na ngaye, baina ki opo na ngaye, Yesu bachola ki opo na ngaye. Oh alleluia, tu es mon confident. Oh alleluia, Jésus il a vaincu. Chante pour Jésus dans ma vie de tous les jours. Aujourd'hui sa victoire m'appartient. Aujourd'hui je vais pousser les cris de joie. Oh,
Chocolembate, le lopo na yeswe. Yo, bo na yeswe. Just
Majesté ce soir, dis encore gloire. Thank you.
Ce soir, on donne des cris de joie pour Yahweh ce soir. Une tempête de cris de joie et d'acclamation pour Yahweh ce soir. À la gloire de son nom. Alléluia. Alors que vous êtes debout, lève la main droite et déclare avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma famille, dans ma maison, dans mon pays et dans ma nation, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Ce soir, en cette dernière semaine de Hanouka 2024,
Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur. Je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi. Il en est ainsi. Et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Donnons la gloire au Fils de Dieu qui est parmi nous ce soir. Reçois l'honneur, la gloire, la louange à toi et toi seul. Merci pour Hanouka. Merci pour cette dernière semaine. Merci pour ce jour. Merci pour cette soirée. Que la gloire te revienne, car c'est à toi qu'appartiennent pour des siècles et des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bienvenue à vous tous. On peut souhaiter la bienvenue à ceux qui sont en ligne ce soir en les acclamant très fort. Bienvenue. On peut le faire ensemble. Voilà, on acclame très fort. Bienvenue à vous tous à l'Église Port des Cieux, YouTube, Facebook, Power Channel. Merci beaucoup. Faites-le aussi à quelqu'un qui est à vos côtés. Déplacez-vous, cherchez des personnes autour de vous, vos frères, vos sœurs. Souhaitez la bienvenue à quelqu'un ce soir. Soyez la bienvenue. Soyez les bienvenus à l'Église Port des Cieux ce soir, à notre soirée de Hanouka 2024. Voilà. Est-ce que c'est fait? Déjà? Vous êtes sûr? C'est sûr? Ok, bon, on va s'entremêler entre rangées. Vous allez saluer ceux qui sont ici et nous qui sommes là-bas. Et venez ici, décrispez l'atmosphère, bénissez quelqu'un, souhaitez la bienvenue. Transmets la joie à quelqu'un ce soir. Bénis ton frère, bénis ta sœur. Il y a des gens qui se comportent comme des enfants, comme des banabitiqués. Ils sont tout tristounés à l'église. Déplacez-vous, saluez-les, bénissez vos frères, vos sœurs. Souhaitez la bienvenue à quelqu'un. Dites des bonnes choses à votre frère, de bonnes choses à votre sœur. Bénissez votre frère, bénissez votre sœur. Déclare que cette semaine sera très glorieuse pour lui, très glorieuse pour elle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, on va saluer la présence de Dieu qui est parmi nous. Nous saluons la présence de Dieu parmi nous en acclamant très, très, très fort à la gloire du Seigneur. S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir la porte des cieux qui est à Paris maintenant, à Aunay-sous-Bois, à notre adresse, alors que nous passons nos dernières semaines à Aunay-sous-Bois, prêts à déménager. On acclame très fort. Merci beaucoup, évangéliste Myriam. Et toute l'équipe, et vous tous qui êtes dans la salle maintenant, nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Veuillez prendre vos places rapidement. Nous allons passer à quelques annonces avant d'entrer dans le message. Cette semaine est la dernière semaine de Hanouka 2024 et nous vous encourageons à prendre part à toutes les sessions, non seulement les grandes plénières, mais aussi les guerres de minuit, guerres de midi, école de l'esprit le matin. Et les grandes plénières le soir. Amen. Et nous vous annonçons aussi qu'à partir du mardi jusqu'au samedi, nous aurons parmi nous le prophète héritier Grâce Mousseba de Génération Joël, l'antenne de Colwezi. Acclamez bien qu'il reçoive cela de là où il est en Côte d'Ivoire en ce moment. Il sera parmi nous et il va prêcher sur le thème « Il est temps que ta famille brille ». Il est temps pour ta famille de briller. Y a-t-il quelqu'un qui croit que c'est le temps de sa famille? Que le temps est arrivé où ceux de sa famille doivent briller aussi? Dis à ton voisin, Dieu se souvient aussi de ma famille. Et avant qu'il ne commence mardi, demain soir, j'ai cédé ma place de mon intervention. J'ai préféré le faire. J'en ai parlé même avec Baba Uriel. Avant qu'il ne parte, on avait beaucoup échangé sur l'apôtre Arnold et sur son avenir. C'est quelqu'un qui a un grand destin, qui a une grande grâce. Peut-être que vous ne savez pas de qui je parle, mais ceux qui étaient là le matin savent de quoi on parle. Qui était là le matin ici?
Il nous a abondamment bénis le matin, juste avant qu'on ne puisse remettre les certificats à une trentaine de personnes qui avaient été collées après avoir suivi la formation depuis le mois de janvier pour la formation de ceux qui deviennent éligibles à fonctionner dans la maison de Dieu et dans la vision. Il nous a apporté un puissant message ce matin. Et d'ailleurs, je crois que je vais le garder pour l'école de l'esprit. Comme ça, il a le temps de bien parler de ces choses-là. Lumière sur la civilisation pré-adamique. Il nous donne les lumières. On comprend. Adam était allé, Caïn était allé où, Lucifer faisait quoi. On peut apprendre ça? Est-ce qu'on aimerait apprendre ça? Voilà, comme on disait, généralement les pasteurs disent, Dieu seul sait tout, les choses cachées sont à Dieu, mais les révélées sont aussi à nous. Dans Proverbe 25, il est écrit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais celle des rois, c'est de sonder les choses. Est-ce que quelqu'un peut dire les choses? Je n'ai pas dit c'est des choses. Dis à ton voisin les choses. Voilà, il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a gardées pour nous. Est-ce que Dieu a gardé pour toi ces choses? En tout cas, on a juste ça, d'accord? Comme ça, il a le temps de, le matin, là, quand on est frais, dernière semaine, il enseigne. Moi, je serai peut-être là à la guerre de midi pour chauffer avec les pasteurs, téléphone libre, moi, prophétiser pour les gens, prier pour des gens à partir de midi. Et le soir, prophète héritier va travailler. Donc, il sera notre orateur demain soir à ma place. Et acclamez bien que votre frère de la Côte d'Ivoire voie réellement que c'est la joie. Pourquoi les gens de l'extérieur acclament mieux que ceux de l'intérieur? Oh mon Dieu, mon roi. Nous sommes tellement contents. Merci beaucoup, fils. Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'était juste l'entrée, mais... Le soir, demain, ça va être chaud. Le matin, déjà, toute la matinée, il sera avec nous pour l'école de l'esprit. Qui est content que ce soit ainsi? En tout cas, moi, je suis très content et très fier. Excusez-nous, il fait chaud. Il fait chaud, n'est-ce pas? C'est insupportable. Il semble que sur... on m'a donné l'information que sur Google, là, cette année et l'année prochaine, le soleil, on dirait, s'est fâché. Bon. Dis à ton voisin, fâchons-nous tous seulement, fâchons-nous tous. C'est pas grave. C'est la dernière semaine, on va faire avec. D'accord? Donc, rapidement, j'aimerais recevoir quelques délégations qui sont déjà venues. C'est la dernière semaine et on a beaucoup, beaucoup de délégations qui arrivent pour prendre part à ce programme. Et ce sera une bonne chose que les gens prennent 16 heures de vol. Certains viennent de New York. 8 heures de vol et plusieurs autres heures de vol. Mais si vous êtes à Kinshasa, saisissez la grâce et captez ce que Dieu fait ici. Ne ratez pas que des gens de l'extérieur comprennent mieux ce qui se passe ici que vous-même qui êtes à proximité. Amen, amen, amen. Alors, j'aimerais recevoir encore ce soir la délégation de la Belgique, le prophète Ezekiel Kaninda qui est venu, notre pasteur de l'église et toute la délégation de la Belgique. Ils vont tous se tenir debout. Merci beaucoup, merci. Prophète Ézéchiel, c'est mon fils, c'est lui qui s'occupe de notre église qui est à Bruxelles. On a inauguré l'église avec le prophète Baba Uriel. Et Baba Uriel avait pris le relève d'ailleurs. Il venait au niveau de la Belgique chaque semaine qu'on était avec lui à la maison à Paris. Et voilà, là, j'ai vu qu'il a pris lui-même l'élan et le travail est en train de monter. Donc, on sera là ce mois déjà, je passerai là et... Dieu va nous faire grâce. Merci à vous tous d'être venus, d'avoir pris part à ce voyage. Que Dieu vous bénisse et vous donne ce que vos cœurs désirent. Au nom de Jésus, amen. Mon fils King Da Silva qui vient de New York, il est aux États-Unis d'Amérique. On acclame très fort un Congolais américain. Dieu te bénisse abondamment. Le pasteur qui vient de... L'apôtre qui vient... De, même il a dit l'apôtre. Le pasteur. On acclame très fort, il vient du Gabon. Il vient du Gabon, merci beaucoup homme de Dieu. Mon fils prophète Rainé qui vient de Libreville, on acclame très fort. Et l'homme de Dieu aussi qui vient de Abidjan, 3 étoiles, champion d'Afrique. Amen. Merci beaucoup. Voilà, je vais recevoir Pasteur William. Vous savez, je te balance les mains, Pasteur William Panji. Voilà, frère Steven Akwa. Ok, maman Aline Makouiza. Oh, maman Aline, Dieu vous bénisse. On m'a parlé de ce qui se passe là. Je suis content. Merci beaucoup.
La sœur Betty Olaï, merci beaucoup. Elle vient de Bruxelles aussi. Frère Glory da Silva qui est là. Prophétesse Joséphine Basseka de la France qui est parmi nous. S'il vous plaît, elle peut se lever. On acclame très fort. Merci ces vents de Dieu de venir dans la chaleur. Merci beaucoup. Frère Viscaro Changu de la Guinée équatoriale. Waouh! De la Guinée équatoriale, il peut se lever. Ok, certainement en route. Sœur Myriam Bayo, fille de l'apôtre Arnaud de Lubumbashi. Elle est là, on la salue encore. Merci beaucoup. Et couple Johnson et Wivine Maoukou du Gabon qui sont parmi nous. Ah! On les acclame très fort. C'est vous qui étiez censé arriver? Je crois que c'est vous. Allez, soyez bénis. En tout cas, cette semaine, je ne vais pas vous rater. Que Dieu vous bénisse et vous donne ce pourquoi vous êtes venus. Merci beaucoup. Et nous avons Maman Jolie Sélémani de l'église Port des Cieux Paris qu'on ne présente plus. La sœur Geneviève de l'église Port des Cieux Paris qu'on ne présente même plus du tout. Et pasteur Agniman Akroman, excusez-moi pour la prononciation, Ghislain de la Côte d'Ivoire. Ah, c'était vous. D'accord. Et prophète René, voilà, voilà, je crois que j'ai salué tout le monde. Apôtre Tib. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore, pour terminer, acclamer tous nos invités? Acclamer tous nos invités, tous nos invités. Cette Hanouka est une Hanouka spéciale. Je finis cette Hanouka. Dans ma tête, j'ai des questions. Mais au fond de moi, j'ai une satisfaction. Dieu nous a fait du bien durant ces 40 jours. Et ça a été une des Hanoukas les plus combattues parmi toutes les Hanoukas. Mais nous allons clôturer le 10 mars dans une gloire incroyable qui va bouger la vie de Kinshasa. Et l'une des raisons qui est derrière les combats que nous avons eus, à vrai dire, les choses que j'ai prêchées sont les choses que j'ai toujours prêchées. Les choses qu'on a dites ici sont les choses qu'on a toujours dit. Il suffit de remonter à quelques vidéos, vous verrez qu'on a toujours parlé de ça. Mais il y a des saisons comme ça où l'ennemi se lève et il peut utiliser même les frères pour exprimer sa haine et son mécontentement. Mécontentement pourquoi? L'Esprit de Dieu m'a révélé clairement mécontentement principalement, vous savez à cause de quoi? Parce que nous parlons de la lumière. Parce que nous parlons de la lumière. Il faut être spirituel pour savoir ce que je viens de dire maintenant. Dieu est lumière, il habite une lumière inaccessible, mais l'apôtre va nous l'expliquer. Lucifer était caractérisé par une chose, la lumière. Assobriant, il était le diffuseur de lumière. Vous savez, même dans 2 Pierre, quand on dit jusqu'à ce que Christ, hein, l'astre brillant, monte dans nos cœurs. Le terme là, c'est Lucifer pratiquement. Mais on ne parle pas de Lucifer, n'est-ce pas? Parce qu'il a des similitudes même avec les expressions qu'on utilise pour parler de Jésus. C'est ainsi qu'on parle de lui. Et même jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il a été déchu de la lumière, il se déguise encore en ange de lumière. Et partout où il règne, les sectes qu'il utilise, les hommes qu'il a instruits, des disciples, les loges, les ordres occultes, sont caractérisés par beaucoup de choses, parmi lesquelles la présence des astres. Dans toute religion hors du christianisme, vous allez voir des astres dans les emblèmes. Et dans les loges occultes, vous allez voir des astres quelque part. Et principalement, c'est le soleil. C'est le soleil, le diffuseur de lumière. C'est par lui que la lune brille et brille aussi sur la terre. Satan n'aime pas qu'on parle de la lumière parce qu'on parle de ce qu'il a perdu au commencement. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il y a eu une haine particulière. Il y a eu beaucoup de combats de manière. On a toujours eu des combats d'Anouka qui vont dans tous les sens. Mais en tout cas, celle-ci, on a touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Et Satan doit savoir, comme il le sait, nous ne sommes pas de ceux qui sont intimidés. Ce n'est que le commencement parce que la révolution vient de commencer.
Et maintenant, vous savez, on peut tout tuer sauf une idée, disait Miles Monroe. Le terrorisme est une idée. On peut tuer Ben Laden, mais on ne tuera pas l'idée du terrorisme. Quelqu'un me suit? On peut tuer un grand démocrate, mais on ne tuera pas l'esprit de la démocratie. Quelqu'un me suit? Est-ce que c'est clair? En tout cas, pour tuer une idée, c'est compliqué parce que quand on ose tuer une idée, elle se multiplie. Elle se multiplie par plusieurs autres qui émergent avec la même idée. Et aujourd'hui, je suis content parce que ce que je prêche, je ne le prêche pas seul. J'ai préparé une armée pendant des années, ah oui, qui prennent le micro et qui disent ce que je dis, qui vont même encore plus loin. Donc, il faut attaquer sur tous les fronts. Et nous aussi, nous sommes sur tous les fronts. Quand j'entends l'apôtre Arnold, je me dis, je vais m'asseoir. J'ai un soldat qui est en train de défendre. Baba Uriel était là. Il a parlé des choses. Dis à ton voisin, la spiritualité christique. Et personne ne pourra faire taire ça parce que c'est un mouvement de l'esprit et il n'est venu que pour le bénéfice de l'Église. Pas pour des débats, pas pour contrarier quelqu'un, pas pour humilier un autre prédicateur. Il est venu uniquement pour le bénéfice de l'Église à cause du rôle que nous avons à jouer en ce temps de la fin. Dis à ton voisin, cette dernière semaine, ne rate aucune session. Dis à ton voisin, parce que nous allons monter. Alors, j'aimerais prier rapidement pour tous ceux qui ont leur dîme ce soir. Comme ça, on peut finir cette partie et entrer dans la prédication et le service. La prédication et le service. Vous avez votre dîme, s'il vous plaît, avancez. J'aimerais vous bénir. Vous êtes en ligne ce soir, vous suivez ce live. Utilisez le code QR qui est sur l'écran. Utilisez aussi, pourquoi pas, le lien épinglé sur YouTube. Ne répondez à personne d'autre qui vous dit être le prophète ou un de mes pasteurs. Nous ne faisons pas cela. Nous ne prophétisons pas pour les gens en ligne, en inbox. Et nous ne demandons pas aux gens de l'argent. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Et tous ceux qui sont venus après le service des offrandes, je vous prie de prendre vos offrandes aussi en main. Je vais prier et vous allez avancer pour déposer vos dîmes, vos offrandes dans le panier le plus proche. Vous n'avez pas donné votre offrande parce que vous êtes venu après l'heure des offrandes. Préparez seulement votre offrande. Après cette prière, je vais après la prière, vous allez devoir avancer et déposer votre offrande dans l'un des paniers entre les mains des protocoles. Prenez votre offrande déjà là où vous êtes. N'oubliez pas, j'aime beaucoup ce verset. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors arrosez ce soir et Dieu vous arrosera certainement. N'oubliez pas, vous ne mettez pas cette offrande dans un panier. Vous déposez cela dans les mains du Seigneur. Et rappelez-vous, il a multiplié 5 pains et 2 poissons qu'on avait déposés entre ses mains. Je crois que cette semaine, la dernière semaine de Hanouka, donne-moi déjà un amen avant que je déclare. Cette dernière semaine de Hanouka, celui qui prend ton offrande entre ses mains va les multiplier et va te donner cela. Je peux dire quelque chose ici? Lorsque tu donnes une semence, la semence ne quitte pas ta vie. Dis à ton voisin, lorsque tu donnes l'offrande, l'offrande quitte tes mains, mais ne quitte pas ta vie. Dis à ton voisin, l'offrande quitte ta poche, mais ne quitte pas ta vie. Dis à ton voisin, l'offrande quitte ton sac, mais ne quitte pas ta vie. Maintenant, complète ton offrande, te précède dans le futur, multiplié où il t'attend. À vrai dire, lorsque tu sèmes, lorsque tu donnes, l'offrande n'a pas quitté ta vie. L'offrande est toujours dans ta vie, mais au futur, où l'offrande t'attend de manière multipliée. Alors ce soir, je veux vraiment que tu t'engages à faire une bonne offrande et à donner au Seigneur. Nous allons prier ensemble. Père, pour ceux qui sont en ligne et ceux qui sont ici, je prie dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ que la bénédiction d'Abraham repose sur chacun d'entre eux, qu'ils vivent une moisson surnaturelle durant ce mois, durant cette semaine, cette première semaine de mars, cette dernière semaine de Hanouka, cette semaine qu'ils vivent et qu'ils expérimentent le ciel ouvert et des ouvertures financières à tous les niveaux. Ceux qui sont les visiteurs internationaux et qui sont ici, Père, laisse qu'on les appelle par des personnes qui sont restées d'où ils viennent pour dire voici une bonne nouvelle qui est arrivée. Qui reçoivent des mails, qui reçoivent des messages WhatsApp, qui reçoivent des appels téléphoniques pour dire que Dieu a fait un miracle alors que tu étais arrivé à Kinshasa.
qu'il en soit tel que je te demande, mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus. Amen. Avancez, s'il vous plaît. Déposez sur l'autel et déposez dans l'un des paniers à proximité, s'il vous plaît. Avancez rapidement. Alors, ce soir va rentrer le couple Tuno qui vient de la Belgique. Ils peuvent se lever, s'il vous plaît, et avancer, s'il vous plaît. On peut les encourager alors qu'ils montent. Soyez bénis. Soyez bénis. Ça va? Vous avez un bon séjour, j'espère? Vous avez eu un bon séjour, vous repartez aujourd'hui, demain, d'accord. Donc aujourd'hui, je vous bénis avec toute l'église. C'est le couple David et Emmanuel Tuno. Vous avez remarqué, depuis qu'ils sont là, ils ont fait 10 jours exactement. Ils ont laissé les enfants et leur ministère. Et ils sont venus au lancement de l'église pour des cieux, pasteur, prophète d'Ézéchiel. Ils étaient là. Ils étaient là qu'on a lancé l'église. Et ils sont venus à l'école des prophètes, je crois. Et le soir, c'était à Paris, pendant que je suis monté, je l'ai vu dans la foule, et je voyais dans mon esprit, l'ange de Dieu me disait qu'il y a un batteur qui joue au drum, et qu'il n'y a personne qui joue comme lui au drum ici. J'étais choqué, quand je l'ai appelé, il est monté, on lui a donné le drum, et il a commencé à jouer. À vrai dire, c'est ce qu'il fait, il est pasteur, et j'ai prié pour, j'ai même prophétisé pour vous, je crois. Et j'ai prié pour eux, ceux qui ont suivi les vidéos. C'était l'année dernière, l'année passée, d'accord. Et depuis lors, on s'est vu, on a parlé. Et aujourd'hui, ils sont membres de la famille. C'est votre frère et votre sœur. Donc demain, ne vous étonnez pas qu'ils soient orateurs ici ou qu'ils viennent travailler ici. C'est déjà la famille et ils sont de la famille. Et nous annonçons officiellement, pour un rappel, que le 15 et le 16 mars, nous serons à Charleroi en Belgique dans leur ministère pour ministrer, et je crois que le Saint-Esprit fera de grandes choses. Vous êtes en Belgique, mobilisez-vous, parce que Charleroi sera en feu par la grâce de Dieu. Je vais vous mettre à genoux, je vais prier pour vous. S'il vous plaît, église, étendez les mains en leur direction. Nous allons prier. Père, merci pour les temps qu'ils ont passé parmi nous. Ils viennent de loin, ils ont reconnu la grâce, ils ont vu l'étoile et ils sont venus avec toutes les responsabilités qu'ils ont du mettre de côté. Je ne peux que voir un acte de soumission, d'obéissance et d'honneur qu'ils ont à l'égard de leur père spirituel que je suis. Alors qu'ils vont rentrer demain, laisse que le feu du réveil brûle dans leur cœur. On a beaucoup prophétisé pour eux depuis leur arrivée ici. Et je crois que tu voulais vraiment les rassurer qu'ils sont à la bonne adresse et au bon endroit. Je m'appelle Joël Francis Tatou, je suis serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, alors que je mets ma main sur vous, que la bénédiction du Tout-Puissant soit sur vous. Celle que vous recevez de Hanouka 2024, qui est un avant et un après ce séjour. Que vous puissiez vraiment voir et que tout le monde qui vous connaît puisse voir un changement radical dans votre attitude, dans votre manière de penser et dans votre manière de travailler. Que vous soyez la lumière de la terre, et que la lumière du monde est le sel de la terre, et que partout où vous serez, comme Ecclésiaste dit, les ténèbres n'auront jamais l'avantage sur la lumière. À cause de la lumière, que les œuvres des ténèbres soient détruites. Que les gens soient délivrés, que des gens soient libérés des addictions, que les malades soient guéris, que les démons sortent, que des maisons soient exorcisées, que des vies soient chamboulées, que des grands miracles se produisent au nom de Jésus. Je te bénis mon fils et je te bénis ma fille, que le Dieu que je sers marche avec vous par des signes, des prodiges et des miracles, et que l'onction prophétique vienne sur vous, que vous puissiez opérer dans les mêmes grâces que vous avez vu être opérées du haut de cette chair.
rentrer avec mon Dieu et que cette même grâce tombe sur vos enfants et sur cet enfant qui va arriver dans la suite des temps. Soyez bénis, je vous bénis de tout mon cœur au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Merci. La famille du prophète Ézéchiel, Kaninda est là aussi. Ils sont là? Voilà, on peut les accueillir. Voilà, ils ont voulu prier avec nous. On peut les accueillir. Merci beaucoup d'être venus, nous sommes honorés. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir honorés en venant. Au cas où un d'entre vous n'a pas d'église, vous êtes déjà membre de l'église à la Porte des Cieux, Kinshasa. Merci beaucoup d'être venus, merci. Merci. C'est... Frère et sœur, hein? À marier, à monsieur et madame. Voilà. C'est ça? Ok. À la sœur et le mari. D'accord. D'accord. Ah bon? C'est la famille, hein? C'est ma sœur et mon beau-frère. Ok. Ma mère, ma belle-sœur, ma cousine et ma sœur. Ah, d'accord, merci. Merci d'être venu, merci beaucoup. Nous sommes très honorés, merci. Dernière nouvelle. Dans quelques jours, l'église Porte des Cieux Paris va déménager. Nous quittons l'adresse dans laquelle nous sommes actuellement et que nous occupons une fois par semaine. Nous avons 850 mètres carrés. Zone industrielle à 10 minutes ou 12 minutes de Aulnay-sous-Bois et donc, je pense qu'on vous a déjà donné tous les détails et dès demain déjà on finalise tout est déjà prêt et on commence les travaux et on va quitter je sais que dans la salle on est en train de crier maintenant là, je vous connais et on quitte Aulnay-sous-Bois pour le 77, c'est ça, c'est vraiment pas loin de là où nous sommes et nous voulons faire un bijou au cœur de Paris. C'est un grand combat les salles hein, au niveau de la France. Pour qu'un pasteur ait une salle, des fois les gens font 3, 4 salles avant d'en trouver une. Mais après une année et quelques mois, Dieu nous a mis au large après cette Anouka. Et nous arrivons pour aménager les lieux et lancer l'église sur place. Amen, amen. Alors, est-ce qu'on est prêt pour la parole ce soir? J'aimerais avoir de l'eau s'il vous plaît. En attendant, pendant que je prends un peu de l'eau, dites des choses à vos voisins, encouragez vos voisins ici. Voilà. Voilà, je n'ai pas dit d'exagérer, c'est bon, merci. Allez, acclamez pour votre voisin. Dis à ton voisin, voisin. Je serai le meilleur soirée de la, le meilleur voisin de la soirée. Change de voisin, dis voisin, voisin. Je serai le meilleur voisin de la soirée. Tu ne vas pas t'ennuyer. Tu seras motivé à écouter la parole et à être béni. Dis à ton voisin, voisin, certainement, tu es un sauveur de Sion. Allez, tiens la main à ton voisin. Tenons-nous debout, on acclame pour le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu et entrer dans le message du jour. Merci, nous prenons nos Bibles ce soir, nous allons lire. Je vous propose quelques textes de la parole de Dieu. Quelques textes de la parole de Dieu. Trois textes, tout simple. Abdias 1, il n'y a qu'un seul chapitre. Abdias 1, 17 et 21. Abdias 1, 17 et 21. Nous allons lire un deuxième texte, Luc, deuxième verset s'il vous plaît. Luc 2, verset 11. Luc 2, verset 11. Et le dernier texte est dans Genèse 31 que je vais lire personnellement. On peut y aller.
Lisez avec moi Abdias 1, 17 et 21. C'est parti. Abdias 1, 17 et 21, je lis au nom de Jésus. Mais au mont Sion, il y aura des rescapés. Ce sera de nouveau un lieu sacré. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Ah, s'il vous plaît, lis-nous une version, là, 8 secondes. 17 et 21. 8 secondes, hein? Version 8 secondes. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Je te vois reprendre tes possessions au nom de Jésus. Amen. Je te vois en cette dernière semaine reprendre tes possessions au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 21. Verset 21. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra les règnes. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Des libérateurs monteront. Dis à ton voisin, montons ce soir. Montons ce soir. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra le règne. La Bible, parole de vie, dit ceci. Le verset 21. Ils remporteront la victoire et ils monteront sur la montagne de Sion. De là, ils gouverneront Édom. Le Seigneur sera roi. Je répète, ils remporteront la victoire et ils monteront sur la montagne de Sion. De là, ils gouverneront Édom. Le Seigneur sera roi. Français courant dit, victorieux, ils graviront le mont Sion et de là, ou à partir de là, ils établiront leur domination sur Édom. Le Seigneur sera roi. Dernière version, Bible standard chrétienne, de l'anglais en français. Les sauveurs graviront le mont Sion pour régner sur la région montagneuse d'Ésaü. Ils graviront le mont Sion pour régner sur la région montagneuse d'Édom. Avant de régner sur la région montagneuse d'Édom, ils vont devoir gravir et s'établir sur la montagne de Sion. Je prie ce soir que tu sois établi sur la montagne de Sion. Amen. Je répète, je prie ce soir que tu sois établi sur la montagne de Sion. Amen. Luc 2, verset 1er. Luc 2, verset 11. Luc 2, 11, voilà. Luc 2, 11, c'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dis à ton voisin, dans cette ville, dans cette ville de Kinshasa, il va naître ce soir les sauveurs du Congo, les sauveurs de la Côte d'Ivoire, les sauveurs de la Belgique, les sauveurs du Gabon, les sauveurs de la Guinée. Dis Amen très fort. Amen. Allez, allons-y maintenant, voyageons un peu dans Genèse 36 pour comprendre exactement de quoi s'agit-il lorsqu'on parle des Édom ou bien des Ahu. Genèse 36, et nous allons faire une lecture kangourou. Genèse 36, je prendrai soin de lire pour vous. Genèse 36, verset 1er. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Ne dis pas nous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous êtes prêts? Yes. D'accord. Genèse 36, verset 1er. Voici la postérité d'Ésaü. Qui est Édom? Non. Hein? Qui est Édom? Ésaü. Qui est Édom? Ésaü. Voilà. Qui est Édom? Ésaü. Qui est Ésaü? Édom. Qui est Édom? Ésaü. Qui est Ésaü? Édom. Qui est Édom? Ésaü. Qui est Ésaü? Édom. Verset 6 et 10. 6 à 10. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Pourquoi s'en alla-t-il loin? Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble. Et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Le temps est arrivé
où tu seras tellement riche à Kinshasa. Yes. Tu seras tellement riche dans la ville dans laquelle tu me suis. Que ce ne sera pas possible que d'autres aient de l'espace. Il faudra que certains se déplacent à Brazzaville parce que je te vois avoir le monopole. Te vois t'étendre à un point où tu as des racines dans tous les domaines, dans tous les secteurs, où le nom de ton entreprise est de la présidence à la femme qui vend le pain au marché. Yes. Je te vois recevoir la grâce de t'étendre partout, d'être incontournable. Même ceux qui ne veulent pas voir ce que Dieu fait avec toi, ils vont entendre de leurs oreilles. Yes. Et ceux qui vont se boucher les oreilles pour ne pas entendre, ils vivront néanmoins là où toi tu vas régner. Amen. Dis amen très fort que je t'entends. Amen. Verset 8. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Verset 9. Ce qui est intéressant, écoutez la postérité d'Ésaü. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü: Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü, Réuel, fils de Basmath, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü et ce sont là leurs chefs de tribu. Une autre version dit leurs ducs. On parle des ducs. Dis avec moi, autrefois il eut des ducs. Il eut des ducs. Alors on dit leurs ducs. C'était leur chef. On est dans quel verset? 19, c'est ça? Ce sont là les fils d'Ésaü et ce sont là leurs chefs de tribu. Ésaü, c'est Édom. Verset 31 et suivant. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un seul roi régnât sur les enfants d'Israël. Ésaü est le frère de Jacob. Jacob a eu 12 fils, parmi lesquels Juda, qui reçut de son père la prophétie comme quoi, pour paraphraser et résumer, la royauté allait sortir de Juda. Plusieurs années ont suivi. À cause d'une histoire qui s'était passée dans la famille de Juda, il a été disqualifié pour la royauté pendant un temps. Et c'est un fils de Benjamin qui s'appelait Saül, n'est-ce pas, qui est devenu roi. Et c'était lui le premier roi d'Israël. Mais si on dit le frère jumeau de Jacob, qui n'avait même pas eu la bénédiction de l'Éternel, là où il était parti, il était devenu tellement riche qu'après s'être réconcilié avec son frère, chacun devait prendre sa voie parce que la contrainte ne suffisait pas pour garder leur voiture, pour garder leur tract, pour garder leur jet privé, pour garder leurs appartements. Et on dit, Édom, Ésaü s'est développé sur la montagne de Séir. Écoutez-moi très bien. Et on présente maintenant les chefs des tribus. Comment ils s'étaient organisés? Où avait-il appris l'organisation? Et pire, on dit que de sa descendance étaient déjà sortis des rois. Et on dit, il y avait des rois de la descendance d'Édom avant même que de la descendance de Jacob, il y ait un seul roi. Donc avant Saül, avant David et tous les rois qui se sont succédés, la descendance d'Édom, qui n'était même pas bénie de l'Éternel, avait pu développer la royauté dans sa progéniture. Dis à ton voisin, pendant que nous prions ici, ceux qui n'ont pas Dieu sont en train de s'organiser, sont en train de prospérer, sont en train de diriger, sont en train de changer le monde. Dis à ton voisin, mais à cause d'Anouka, et de la parole que je reçois, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Dis amen très fort. Amen. Et là, on commence à citer le nom des rois. On ne connaissait même pas Ézéchias, même pas Abdias, même pas Ozias, même pas David, même pas Saül. Et on les cite très nombreux jusqu'au verset 39. Je vous épargne les détails. Père, bénis cette parole ce soir et donne-moi dans les minutes qui me sont imparties de pouvoir communiquer ta pensée. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, les mots qu'il faut afin de pouvoir présenter ta parole pour qu'elle éclaire nos esprits. Pour la seule et unique gloire de ton nom, je te promets de te rendre toute la gloire pour tout ce que tu vas faire ce soir au nom de Jésus-Christ et nous disons amen. Veuillez vous asseoir sur vos chaises de bureau en tant que CEO et PDG.
Oh non, ça ne m'arrange pas. Lève-toi un peu là où tu es. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. J'entre dans mon bureau. J'entre dans mon bureau. Fais pas de plus. Entre dans ton bureau là où tu es. Est-ce que tu es entré? Yes. C'est le bureau de quelle compagnie? Quelle société? Quelle entreprise? Hein? De pétrole? Mining? Quoi d'autre encore? Pardon? D'accord. Quoi d'autre encore? Agence de voyage? Quoi d'autre encore ici? Ah, ministre dans ce pays? Ok. Quoi d'autre? Ambassadeur? Quoi d'autre là-bas? PDG? DGI? DGM? Où? Où encore? À la présidence? Bon, entre dans ton bureau maintenant ou dans ton nouveau bureau. Laisse qu'on se moque de toi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Yes. Est-ce qu'un homme de foi est ici ce soir? Yes. Allez, entre dans ton bureau ce soir. Est-ce que tu vois ton bureau? Yes. Il y a ta chaise, il y a la salle de conférence, il y a la télévision, il y a le grand écran sur les murs, il y a la salle de sport à côté, il y a le dressing de l'autre côté. Dis amen bien là où tu es. Amen. Tout est high-tech. Il y a l'intelligence artificielle qui te dit bonjour madame, vous êtes la bienvenue dans votre bureau. Désirez-vous du thé ou prendre rendez-vous avec quelqu'un ou lancer un appel? Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Maintenant, est-ce que tu peux t'asseoir sur ta chaise? Yes. Allez, assieds-toi sur ta chaise de PDG et acclame pour toi parce que ce soir, Dieu fait de toi un sauveur à Sion. Les sauveurs de Sion. Avant de pouvoir prêcher, je viens de me rappeler, j'ai parlé avec Gloire, il y a quelqu'un pour qui j'ai prophétisé hier. C'est un homme qui était dans un couvent. Et j'avais cité Joe. Enfin, le prénom c'est Josué. Il est là? Avancez s'il vous plaît. J'ai juste deux choses à vous dire, juste deux. Vous allez bien? Ça va? Oui, très bien. J'ai écouté l'audio que vous avez envoyé. Vous avez un bon français. Merci beaucoup. Vous avez étudié où? J'ai étudié d'abord à Oustaoui, au secondaire, puis après à Lusakine. C'est une université catholique. Ok. Oui. Où comme ça? À Kinshasa? Oui, à Kinshasa, 18e rue. Ok. Vous habitez où? J'habite à Lupen. À Lupen. Oui. Ok. Et vous êtes venu? Oui, je suis hier, venu. Hier, vous n'étiez pas là? Hier, je n'étais pas là. J'avais pas les moyens pour arriver. Vous avez suivi le live? Non, je n'ai pas suivi le live. Le wifi ne fonctionnait pas bien à la maison. Ok. Oh, tu veux qu'on te renouvelle l'abonnement de wifi? Oui, il n'y a pas de souci. Vous savez, il n'était pas là hier, mais en esprit, il était ici. Amen. Je comprends à vrai dire que dans le monde spirituel, quelqu'un peut ne pas être dans un lieu. Mais puisqu'il est de cœur avec vous, son esprit est là. Parce que hier, j'étais ici et j'ai reçu. Il y a un frère qui est venu en tenue blanche ici et j'ai vu comme quelqu'un qui s'appelait, on l'appelait aussi Joe. Mais à vrai dire, son prénom c'est Josué. Oui. C'est vous? Oui, c'est moi. C'est vous? Oui. Vous me connaissez depuis? Depuis le couvent. Hein. Depuis le couvent, je vous suis bien. Ah, vous avez été au couvent? Oui, oui. 2017? 2018. 18? Oui. 17? Maintenant 18, vous êtes entré. Oui, c'est ok. Exact, oui. 19. 19, je suis parti à Kongolo. À Kongolo. Oui. J'ai vu même le nom Kongolo là. Oui. Vous êtes parti. Oui. Et c'est l'année passée que la tragédie est arrivée. C'est vrai. La tragédie est arrivée. Avance, prophète. Qui vous a envoyé au couvent? Moi-même. Oh. Oui. D'accord, c'est une bonne chose. Ça peut être une vocation. Oui. Vous êtes allé faire quoi? Je voulais devenir prêtre. Je sentais vraiment cet appel en moi depuis mon enfance. Ah bon? Oui. Vous êtes une famille catholique? Oui. J'ai beaucoup d'amis catholiques, donc il n'y a pas de problème avec le catholicisme ici. Non, moi non plus, j'en ai pas de problème. Mais seulement toi, tu as eu des problèmes là où tu étais. Oui, c'est vrai. Tu as eu quel problème? Parce que tu es dans un couvent, mais tu te comportes comme un prophète. Oui, c'est vrai. D'ailleurs... Vas-y. Oui. Beaucoup de problèmes, j'avais beaucoup d'oppression lorsque j'étais dans ma chambre au couvent. Parfois, je voyais dans le mur, il y avait des chauves-souris. Parfois, sur mon lit, il y avait des serpents. Et aussi, il y avait beaucoup de rêves maintenant qui m'avaient convaincu que je devais partir. Et tu commençais à parler aux gens? Mm-hmm. Je commençais. Tu as été renvoyé?
Non, non, de moi-même, j'ai quitté. Toi-même, tu as quitté? Oui. Je vois comme quelqu'un qui part avec ses affaires comme ça. Oui. C'est pas renvoyé, c'est toi qui es parti. Oui, c'est vrai. Où est le couvent? Le couvent, c'est à Mongafula, Kimbondo. C'est depuis l'année passée que tu as quitté? Oui, depuis l'année passée. C'est qui votre... C'est qui celui qui est à la tête du couvent? À la tête du couvent, ici, en RDC? Non, de là où tu étais. Bon, il est sorti, c'est le père Jean. Il est sorti. Qui est là maintenant? Je ne lui connais pas, parce que je n'ai plus de contact avec le couvent. D'accord. Alors, tu vas l'arranger avec le couvent. D'accord. On ne quitte pas comme ça. D'accord. D'accord? Allez, après culte, je vais te donner quelque chose. D'accord. Tu vas acheter une petite boîte de lait, un petit sac de riz, de sucre. Tu vas déposer là-bas. D'accord? D'accord. Et tu dis que tu as quitté, mais tu donnes quelque chose. D'accord. Je vais te donner des idées comme ça. Tu quittes le couvent légalement. D'accord. N'est-ce pas? Les choses spirituelles peuvent te bloquer dans la vie comme ça. Oui, c'est exact. Je comprends parfaitement. Tu comprends parfaitement? Oui. Ah. Que ce soit une église ou le couvent, si tu sens, tu étais venu toi-même. Maintenant, tu commences à voir les chauves-souris. Il faut bien quitter. Si tu sens que tu ne dois plus être là-bas, il faut néanmoins aller et quitter dans les bonnes conditions. D'accord. Hein? D'accord? D'accord. Et tu demandes au Père de te bénir. D'accord. Tu m'entends? Oui. Ah, voilà. Et puis tu pars bien. Ta famille est au courant de tous ces mouvements qui se sont passés? Je leur ai rien dit. Je leur ai juste signalé que j'étais parti. Tu as un lien avec le Katanga? Oui, c'est Kolwezi. Oui, Kolwezi. Ils sont à Kolwezi, ma famille. Ta famille est à Kolwezi? Oui, Avance Prophète. Avance Prophète. Non, je ne vais pas faire des prophéties, beaucoup de détails. D'accord. Des fois, ce n'est pas inutile du tout. Ce n'est pas utile. Tout ce que je veux te dire, c'est que je vois déjà que bon, Mbongezate, mais à la fin, on va t'aider, on va te conseiller. Docteur Gloire, lui aussi, il a la famille. Tu as une famille catholique? Voilà, tu vas l'orienter. On va acheter, tu vas acheter les petits trucs là. Tu vas là-bas, tu demandes au Père de te bénir. Tu étais là, mais tu as été un... Comment on appelle ça dans l'armée? Tu as été un déserteur, d'accord? Voilà, tu pars là-bas, tu déposes, tu parles au Père, tu t'humilies et tu demandes la bénédiction. Nous prions que Dieu prédispose son cœur, puisqu'il fait office du Père Jean qui était là, c'est ça? Oui. Comme ça, tu parles également. Amen. Et puis, tu pries dans quelle église? Je prie dans le centre missionnaire Hosanna. D'accord. Tu fais quoi à l'église? Moi, je suis l'interprète du pasteur, parce qu'il prêche en swahili. Moi, je l'interprète en français. C'est tout. D'accord. Mais ta vie est aussi bloquée parce que tu as mal quitté le couvent. Il faut bien quitter. D'accord? D'accord. Dis à ton voisin, il faut la sagesse en toutes choses. Il faut la sagesse en toutes choses. Ne sois pas un déserteur. Yes. D'accord? Allez, viens, sois béni. Joe, Josué, sois béni. Au nom de Jésus, amen. Quand je dis Joe, j'entends aussi un autre Joe. Avance, prophète. Mais c'est comme une famille Ndaya, comme Sandaya. Oui, avance, prophète. Oh, famille Ndaya. Ndaya. Avance, prophète. Ta maman s'appelle comment? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu ici? Ne t'habitue pas à ces choses. Célèbre Dieu. Je vois un papa qui s'appelle Salomon. C'est pas vous. C'est pas vous. N'en fais pas. Avance, prophète. Saint-Esprit. Je vois comme papa qui s'appelle Salomon. Je vois comme un arrière qui s'appelle Pierre. Bon, demain, je reviens sur ça. Yes. Je n'ai pas trop la tête à prophétiser. Je voulais juste l'aider. D'accord, avance. Vois le docteur Gloire, on va t'aider. Il faut que tu quittes bien. L'acte que tu... Peu importe ce que le prêtre va dire. Mais comme seulement tu t'es humilié, tu as donné, c'est déjà un acte que tu fais, que tu quittes de la bonne manière. D'accord? Allez, rentre dans la paix et ne sois plus déserteur. Même à l'église où tu es, il ne faut pas déserter. Allez, on va commencer le message. On acclame pour le Seigneur. Les sauveurs de Sion. Hier, excusez-moi, avant-hier, alors que je prêchais sur Sion, je vais juste faire un rappel très rapide sur ce que veut dire Sion dans les Écritures. Dites avec moi Sion.
Sion en français, Zion en anglais, Sion en hébreu. Sion veut dire plus de 5 choses que j'ai eu à expliquer ici quand j'ai prêché le vendredi. Premièrement, j'ai dit, selon certains juifs, selon certains rabbins, ils croient que Enoch, qui est 7e après Adam, selon Jude, celui qui a été enlevé et qui n'a point connu la mort, avait bâti en son temps une cité qu'on appelait Sion. Et même lorsque il a été enlevé, c'était lui ainsi que cette ville de Sion qui ont été enlevés pour aller au ciel. Deuxièmement, Sion part de la cité de David, de Samuel 5:7, lorsqu'il a la victoire sur cette contrée des Jébusiens. Il fait de ce lieu sa forteresse et on appelle cela dorénavant la cité de David, qu'on appelle aussi Sion. Troisièmement, Sion, c'est aussi la ville de Jérusalem. Lorsqu'on parle de Jérusalem dans les Écritures, on parle aussi de Sion. Quatrièmement, le royaume de Juda parle aussi de Sion. Les enfants d'Israël, vous allez voir ça dans les psaumes, nous connaissons au bord des rivières de Babylone, souvent chanté par les Rastamen, ils parlent qu'on les incitait de chanter les cantiques de Sion. Alors comment pouvaient-ils chanter les cantiques de Sion sur une terre étrangère? Et ce peuple-là n'était pas le peuple d'Israël entièrement. C'était le royaume du sud, qu'on appelait aussi Juda, qui avait pour capitale Jérusalem. Le royaume du nord s'appelait Israël, amen, s'appelait Israël et avait pour capitale la Samarie. C'est là au-dessus qu'il y avait les Akab et les prophètes comme Élie et Élisée. Mais le royaume du sud, c'est là où il y avait le temple de Jérusalem. Et c'est le royaume du sud, après le schisme de... Vous connaissez l'histoire de Roboam et Jéroboam, qu'on a appelé le royaume de Juda. Et c'est là aussi qu'on appelait cette contrée, on l'appelait aussi Sion. Cinquièmement, Sion parle aussi de la nation d'Israël. Le sionisme est né juste avant que la nation d'Israël soit née. Et lorsqu'elle est née, quand on parle d'Israël, on parle aussi de Sion. Nous avons été en Israël au mois d'octobre de l'année dernière. Et quand on était en Israël, vous allez voir dans plusieurs endroits, on vous parle de bienvenue à Sion, à Sion, à Sion. Parce que Sion, ce n'est pas que le royaume de Juda, comme à l'époque, mais ou bien la ville de Jérusalem. Mais Sion parle aussi entièrement de la nation d'Israël. Sion parle aussi de la montagne de Sion. C'est une montagne qui est au niveau de Jérusalem. C'est exactement là où David avait établi ce qu'on appelle la cité de David. Quand vous êtes sur la montagne des Oliviers, vous voyez Gethsemane en bas, vous voyez le cimetière, vous voyez la porte dorée, vous voyez la ville de Jérusalem, parce que la montagne de Sion, la montagne des Oliviers, Jésus prêchait à Jérusalem, des fois il venait dormir là. Il passait la nuit là, au mont des Oliviers. Et même quand Jésus reviendra, il posera les pieds sur la montagne des Oliviers. Il va descendre et il va passer par la porte qui est fermée, qu'on appelle la porte dorée. Et juste de l'autre côté, il y a la mosquée des musulmans. Et c'est exactement le lieu qu'on appelle Morija. Et un peu au niveau de la gauche, quand vous êtes sur la montagne des Oliviers, il y a aussi une montagne qu'on appelle la montagne de Sion. Et c'est là qu'était la cité de David. On est même allé visiter la tombe du roi David. Il y avait beaucoup de choses qui ont trait à David dans ce lieu. C'est ce lieu-là que David avait conquis et qu'on appelle aussi la montagne de Sion. Et pour terminer, je vous ai dit ici que Sion, au-delà d'une réalité physique, géographique, Sion est aussi une réalité spirituelle. Et Hébreux 12 nous a dit, nous ne nous sommes pas approchés de la montagne de Sinaï, mais de la montagne de Sion, et on nous donne une grande description, parmi lesquelles la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. En d'autres termes, quand on parle de Sion, on ne parle pas que des réalités terrestres, mais on parle aussi des réalités célestes, la Jérusalem qui est en haut, ou bien qu'on appelle aussi le troisième ciel. Mais pour terminer, Sion ne parle pas que d'une réalité spirituelle. Sion parle aussi d'une réalité spirituelle qui assure la terre, qu'on appelle Église. Parce qu'à vrai dire, nous aussi Église, on peut être considéré comme un Sion. La prophétie de Ésaïe 2, répétée encore par le prophète Michée en son temps, a annoncé que les temps allaient venir où la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes.
Et on parle de la montagne de Sion. Et on donne des descriptions de comment, sur la montagne de Sion, le règne de l'Éternel va se manifester sur toute la terre. Et nous, nous croyons comme Église que ce n'est pas seulement Israël, mais l'Église est aussi sur la terre Sion. Mais surtout quand on parle de Sion, on parle de l'Église dans sa phase finale, dans sa phase glorieuse. Rappelez-vous du Seigneur avant de faire l'analogie entre l'homme et la femme, l'époux et l'épouse, a dit qu'il va nous faire paraître devant Dieu comme étant une Église sans tache ni ride, mais une Église glorieuse. Je crois que la gloire va rencontrer l'Église en ce temps de la fin. Je disais, je crois que la gloire va rencontrer l'Église en ce temps de la fin. Voilà pourquoi Dieu est en train de travailler, il est en train de structurer, il est en train de restructurer l'Église pour que la gloire soit au rendez-vous dans sa maison. Et n'oubliez pas, l'Église peut être imagée comme un pâturage des brebis dont le Seigneur est le berger, l'Église peut être comme une armée, l'Église peut être comme une famille, l'Église peut être comme les sarments pour le cep. Il y a beaucoup d'images bibliques comme ça, même l'homme et la femme, l'époux et l'épouse. Mais quand on parle aussi d'église, on parle aussi d'une maison, d'une construction. Matthieu 16, la première fois que Jésus parle de l'église, il dit « Je bâtirai mon église ». Il parle d'un bâtiment, d'une maison, d'un édifice. Quelqu'un me suit ? Et si vous regardez bien, dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse a vu le tabernacle au ciel, et on lui a dit « Bâtis selon le modèle que tu as vu au ciel ». Et lorsqu'il a bâti selon le modèle, il n'a pas prié comme Salomon lors de la dédicace. Moïse n'a pas fait une prière, il n'a pas fait une dédicace. Il a juste mis l'onction partout. Quand il a fini de construire, il est écrit que la gloire de Dieu est descendue et la gloire est entrée dans le tabernacle. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on respecte la structure, on invite la gloire. Bâtir selon la structure, c'est inviter la gloire dans le tabernacle. Pas de structure, pas de gloire. Je répète, pas de structure, pas de gloire. Pas de structure, pas de gloire. Et en ce temps de la fin, le Saint-Esprit part son œuvre sur la terre est en train de restructurer l'Église, de réformer l'Église. Lorsque la structure apostolique sera respectée, alors la gloire va revenir dans l'Église. Et nous allons être une Église glorieuse parce que la structure invite la gloire. Apôtre Arnold, voilà pourquoi il faut que les apôtres fassent leur travail, il faut que les prophètes fassent leur travail. Lorsque les cinq ministères, les cinq dons travaillent comme il faut, lorsque l'Église est organisée à la manière et la pensée de Christ, la gloire sera inévitable et viendra parmi nous. Même dans le foyer et dans le mariage, dans les entreprises ou dans tout autre domaine, quand la structure est établie et elle est respectée, la gloire est inévitable. Dis à ton voisin, tu dois être structuré. Parce que la structure invite la gloire. Amen. Donc quand on parle de Sion, on parle de l'Église glorieuse du temps de la fin. L'Église triomphante. L'Église qui va dominer. L'Église qui va régner. L'Église qui va s'imposer dans la société. L'Église qui va prendre pour le Seigneur la dernière moisson. L'Église de l'évangélisation du temps de la fin. L'Église qui sera lumière du monde et celle de la terre. Cette Église qui sera enlevée avec l'Esprit et qui ira au ciel après avoir été précédée des morts. Parce que l'Église n'est pas que l'assemblée des vivants, l'Église est aussi l'assemblée des vivants et des morts. Parce que quand le son de la trompette sonnera, quand la trompette sonnera, les morts en Christ, premièrement, vont faire quoi ? Vont ressusciter. Et nous qui sommes vivants, nous allons être transformés. Dis à ton voisin, l'Église, ce sont les morts et les vivants. Dis à ton voisin, l'Église, ce sont les morts et les vivants. Change de voisin, dis voisin, l'Église, ce sont les morts et les vivants. Dis à notre voisin, dis voisin, l'Église là, ce sont les vivants et ceux qui sont morts. Nous sommes tous l'Église. Là, je ne me permets pas d'enseigner ça aujourd'hui. J'attends que vous puissiez digérer les matières d'Anouka et je reviendrai sur ça quand je vais décrire ce qu'est Sion. Parce que là, on parle des premiers-nés inscrits au ciel. On parle du sang de l'Église, on parle de cœur des anges, on parle des esprits des saints. Les catholiques appellent ça la communion des saints. Les esprits des saints parvenus à la perfection. Quand on est à Sion, on est en contact non seulement avec Jésus, le médiateur, mais on a aussi des connexions avec le cœur des anges et avec les esprits des saints parvenus à la perfection. On peut avancer ?
Dis à ton voisin, voisin, nous sommes Sion. Et nous irons à Sion. Et est-ce que je peux faire une déclaration ici? Tant que l'église n'est pas connectée à Sion, elle ne sera pas Sion. Tant que l'église n'est pas connectée à Sion, elle ne sera pas... Oh, come on. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ceux qui étaient là vendredi ont compris ce que je voulais dire. Tant que l'église n'est pas connectée à Sion, elle ne peut pas être Sion sur la terre. Il faut que l'église comprenne Sion dans ses réalités de là-bas pour exprimer les réalités qui sont ici. Il y a un homme de Dieu qui a été emmené au ciel. Il arrive au ciel, un ange l'emmène dans plusieurs compartiments. Il arrive à Sion et on fait entrer cet homme de Dieu dans une grande salle. Il entre dans la salle, il était troublé par la vision qu'il avait. Il a vu des bras, des jambes, des dents, des cheveux, des parties des corps manquant de plusieurs corps, du corps entier. Il a vu tout plein. Il a dit, mais qu'est-ce que je vois ici? Et l'ange l'a répondu. Il a dit, tu es emmené ici pour voir. Parce que ici sont les parties des corps manquants qui assurent la terre. Donc sur la terre, quelqu'un manque un membre. Les membres là manquants sont ici. Mais toi, tu as appelé un ministère de puissance et de guérison. Et tu as été emmené ici pour que tu sois parmi ceux qui sont choisis par Dieu pour prendre les membres qui sont au ciel et les emmener ici sur la terre. Et cet homme de Dieu a un ministère en Amérique du Sud. Quand tu as une jambe courte, il te touche, la jambe va pousser. Pourquoi? Parce qu'il est devenu, agent de transit. Que la volonté qui est faite d'aller se fasse aussi. Le temps est arrivé où Dieu te connectera à Sion. Je dis, Dieu te connectera à Sion. Tu vas prier, écoutez-moi, quand on crée Mercedes, BMW ou Maybach ou toute autre voiture, il y a des pièces de rechange. Le Dieu qui a créé l'homme, lorsque l'homme naît avec une malformation, lorsque l'homme naît, il n'a pas Dieu, il n'a pas de bras. Ce bras est quelque part au ciel. Mais il faut que quelqu'un puisse accepter, avant de sauver cet homme, de monter à Sion, de se connecter au ciel. Quand il priera pour quelqu'un, il y aura un transfert de son membre qui est au ciel, miraculeusement sur la terre. Que Dieu t'utilise pour les miracles. Comment? C'est à Sion qu'il y a la science et la sagesse. Quand l'église sera connectée à Sion là-bas, ici sur la terre, nous allons régner par la science et régner par la sagesse. Dis à ton voisin, voilà pourquoi tu dois devenir spirituel. Dis à ton voisin, tu dois monter. Dis encore, tu dois monter. Dis encore, tu dois monter. Et Abdias nous donne une prophétie particulière. Apôtre Arnold. Abdias annonce ceci. Il dit, le salut sera sur la montagne de Sion. Le salut sera sur la montagne de Sion. Salut. Salut en hébreu dérive de Yasha, qui parle du salut, mais qui touche presque beaucoup de domaines de la vie. Salut n'est pas que salut spirituel, c'est salut économique, financier, c'est la multiplication de votre pâturage, c'est la bonne santé de vos champs. Quand on parle de salut en hébreu, même en grec, quand on parle de sozo, le salut contient le salut à tous les niveaux, dans tous les niveaux de l'homme. C'est un salut holistique, c'est ça? C'est un salut qui touche tous les domaines, esprit, âme et corps. Quand on dit le salut sera sur la montagne de Sion, on dit que le salut de l'homme qui est sur la terre là se trouvera à Sion. Frère, l'église doit comprendre que quand elle entre dans la dimension de Sion, elle a une mission holistique. Et les catholiques avaient compris ça depuis très longtemps. Parce que l'évangile vient pour sauver tout homme et pour sauver tout l'homme. Quand on dit sauver tout homme, c'est sauver tous les êtres humains. Peu importe leur race, leur groupe linguistique, leur niveau social et leur sexe. Mais quand on dit tout l'homme, c'est-à-dire l'homme tout entier, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, esprit, âme et corps. Le salut doit sauver ton esprit. Doit aussi sauver. Dis à ton voisin, le salut doit sauver tout homme et tout l'homme. En d'autres termes, ton esprit doit être sauvé, ton âme doit être sauvée et ton corps doit être sauvé.
Et les catholiques, quand ils arrivaient quelque part, pourquoi ils ont eu la crédibilité devant l'État? Pourquoi ils ont eu la crédibilité devant les opérateurs économiques? Pourquoi ils ont eu la crédibilité devant des personnes hautement placées dans la société? Pourquoi ils ont la crédibilité même des organisations régionales, sous-régionales et internationales? Pourquoi les catholiques ont eu ce crédit? Parce que l'État a vu un partenaire fiable qui ne promet pas que les gens un ciel, mais qui a aussi l'hôpital à côté. L'hôpital, c'est pour sauver le corps. Et à part le corps, ils ont aussi mis une école à côté. Pour sauver quoi? Parce que pour que l'âme soit sauvée, il faut que l'homme soit éduqué. Il faut que l'homme soit formé. Oh, je décrète et déclare que l'église de Sion qui s'élève aura les meilleures universités dans cette ville. Les meilleures écoles dans cette société. Dis amen très fort. Le bishop David Oyedepo est l'un des signes de notre siècle, de notre génération. Cet homme a une université, a aussi une autre université qui est précisément concentré sur l'agronomie. Ils étudient la terre, les engrais, les reliefs, les climats et tout ce qu'il faut savoir dans le domaine de l'agronomie. Et ils ont même été reconnus par les grandes institutions comme les Harvard. Ça fait quelques années passées. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, nous croyons qu'il est venu nous sauver du péché d'Adam, n'est-ce pas? Le péché d'Adam, n'est-ce pas? Et puisque la terre avait subi aussi les conséquences, puisque Dieu, on a cru que Jésus est venu mourir pour nous sauver, nous, de la malédiction de la loi, il faut aussi, n'est-ce pas, que tout ce qui a été maudit avec soit aussi sauvé. Ainsi, il faut que la terre soit aussi sauvée. Que Dieu bénisse ma fille, pasteur Faït. Allez, oh. Il faut que la terre soit sauvée. L'homme doit être sauvé et son environnement. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, cher voisin, Sion. Dis à ton voisin, cher voisin, Sion. Et le bishop Oyedepo a plusieurs Nigérians comme ça. Pourquoi? Parce que un prophète comme Oyedepo a vu que d'ici 2050, là, la grande main-d'œuvre du monde sera en Afrique. C'est le continent qui est le plus jeune. D'ici 2050, plus de 200 millions de personnes au Nigeria, plus de 150 000 personnes au Congo ici. Et la population africaine, elle est jeune. Nous avons la main-d'œuvre et nous avons l'énergie et la force. Et l'Afrique est composée, comme aussi la RDC, de plus de 50% de terres arables. Donc on a les terres vides. On peut faire des champs, on peut faire des hectares et des hectares de champs de maïs, des champs de blé. On n'a pas à pouvoir aller chez M. Poutine pour commencer à trembler parce qu'il nous a fait un cadeau de blé. Nous sommes l'Égypte. Et c'est nous l'Égypte par la sagesse du Dieu d'Israël qui avons nourri le monde entier pendant... Oh, dis amen très fort là où tu es. Dis amen très fort là où tu es. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Nous sommes cette Afrique qui par l'intelligence du Dieu d'Israël avons la capacité de nourrir le monde entier aujourd'hui. Cela a été le cas pour le Burundi, ça fait plus de 20 ans. Mais la RDC peut être le grenier de l'Afrique. Nous sommes capables de nourrir toute l'Afrique et les autres continents à gogo. Aller en Europe, manger les pommes, sans goût. Manger les oranges, pas de goût. Manger les... N'importe quel fruit. Aller en Europe, les fruits n'ont pas de goût. Tout est chimiquement travaillé.
États-Unis. Pourquoi ne pas ramener les grands investisseurs ici, les introduire à la présidence pour faire développer le travail et introduire les chrétiens dans nos églises pour commencer à travailler et diminuer le chômage? Il y a ton voisin Sion. Il y a encore ton voisin Zion. Il y a ton voisin Zion. Le salut se trouve, frère, le salut de l'Afrique se trouve dans l'église de l'Afrique. Le salut de la RDC se trouve dans l'église de la RDC. Mais l'un de nos grands problèmes, c'est qu'alors que nous croyons que l'église est Sion, nous avons, apôtre Arnold, passé 60 ans au Congo, après le réveil de Adi Nabala, Maë Shafda, Tel Osborne, après 60 ans de réveil, nous nous sommes concentrés à faire une seule chose, entretenir des sauvés. Entretenir des sauvés. On reçoit Jésus, on entre à l'église, on est baptisé, on entre dans les départements et on commence à faire le ministère auprès des enfants, le ministère auprès des jeunes, le ministère auprès des mamans. Et pour nous, c'est ça le ministère. Et le pasteur nous menace, hein? Le pasteur nous dit, dans cette église, c'est d'abord mon ministère. C'est d'abord ma vision. C'est d'abord mon ministère. Vous tous ici, vous êtes là pour mon ministère. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que les dons du Christ sont là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère. Oui, c'est le ministère des saints, pas le ministère du don. Et le ministère là, c'est quoi? Le ministère là, ce n'est pas auprès des enfants. Le ministère là, c'est ce que tu fais du lundi au samedi dans la société. Être avocat, c'est ton ministère. Être médecin, c'est ton ministère. Être chirurgien, c'est ton ministère. Être dentiste, c'est ton ministère. Être dessinateur, c'est ton ministère. Et l'église doit avoir un message adapté pour permettre à chaque fonction dans l'église de pouvoir trouver une formation adéquate. L'année prochaine, nous, on va commencer à préparer les prochains députés. On a tendance à toujours attendre quand c'est l'année électorale. Il y a un frère qui s'élève comme ça. Faut de et poids. Moi, on ne m'a même pas présenté dans cette église. Le problème, ce n'est même pas les fidèles. On a entretenu un sauvé. Il a eu l'envie de faire la politique. Il est entré dans la politique. Et le sauvé a été ramassé. A été envoûté. A été détourné. Pourquoi? Parce que pour influencer maintenant la politique, il faut avoir fait la transition du sauvé au sauveur. Il faut avoir fait la transition du sauvé au sauveur. L'église est ouverte pour accueillir ceux qui sont finalement sauvés. Mais l'église ne doit pas être un lieu où on n'entretient que des sauvés. On n'entretient que des brebis. On n'entretient que des enfants de Dieu. Non! On doit vous préparer, vous former, vous équiper pour que vous deveniez les sauveurs de cette ville. Oh, dans cette ville-là est né un sauveur. Toute ville a besoin d'un sauveur. Toute ville soupire après un sauveur. Toute ville réclame un sauveur. Toute ville où les hommes des institutions sont organisés réclame la présence d'un sauveur. Et cette dernière semaine de Hanouka, un sauveur est en train de naître. Je dis, un sauveur est en train de naître. En 2003, le bishop Oyede a prêté l'argent au gouvernement nigérian. Donc le gouvernement est venu, il a prêté l'argent. D'ailleurs, des fois, le ministère de bishop Oyede, toutes ces structures ont un budget annuel plus élevé que le budget de l'État nigérian lui-même. Une fois, le chef de l'État l'a cherché pour parler avec lui. Il était en prière. Il a dit, dites au chef de l'État que je suis occupé, je médite la parole. On va le recontacter après pour un rendez-vous. Au Ghana, là où papa, Archbishop Nicolas Duncan Williams, et quatre ans passés, il prêchait à l'église. Le président est arrivé, il s'est assis à l'arrière. Il dit, je ne peux pas déranger papa qui est en train de prêcher parce que c'est son fils. Il s'est mis à l'arrière pour suivre la prédication. Parce que l'église est devenue tellement puissante à Sion qu'elle est capable d'exercer une influence dans toutes les sphères de la société. Dis amen bien.
Dis amen bien. En 2004, Bishop Oedipo a payé le salaire des militaires pendant 3 mois. Et il a rajouté 3 autres mois. Donc il n'était pas payé 3 mois. Il a payé 3 mois et il a payé en avance 3 autres mois. Tous les militaires d'un pays. Comment ne vont-ils pas respecter ce pasteur? Dis à ton voisin, pendant ce temps, nous au Congo, champions en débat. Et il y a des gens qui vont faire une affaire personnelle. Donc, il se réveille le matin, il y a déjà la colère. Il doit couper la vidéo, il doit partager. Est-ce que tu as vu aussi? Est-ce que tu as lu? C'est pas possible. Et papa, avec un pays comme la RDC, c'est vraiment aussi bas où nous sommes arrivés aujourd'hui. Pourquoi nous vous prêchons la spiritualité? Parce que quand tu dois être un sauveur, tu dois connaître la théorie et tu dois connaître la spiritualité. Tu dois avoir la maîtrise de la politique et avoir la maîtrise des autorités qu'il y a dans le monde de la politique. Tu ne peux pas sauver un pays de la corruption si tu n'as pas les esprits capables de te donner de résister devant la corruption. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh prophète, non, l'argent ne change pas les gens. L'argent enlève les masques. Frère, c'est bien, mais c'est faux aussi. L'argent change. Ça dépend du montant. Moi, je suis humble, même si on me donne... Papa, maman, on te donne 200 milliards de dollars. Tu tombes évanoui, tu entres au coma. Tu manques la paix, tu perds le sommeil. Un médecin m'a dit, l'homme a dans son cerveau potentiellement la capacité de péter un câble. Donc, quelqu'un peut avoir une nouvelle, par exemple, quand la nouvelle tombe d'une certaine manière, quelqu'un peut devenir paralysé. Vous avez déjà vu ça? Il y a des gens, on a seulement annoncé que maman est au coma, pas AVC. D'autres gens, ils meurent sur le coup. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a appelé par un milliardaire. Ouais, viens, 200 milliards. Boum. Papa. L'argent change, papa. L'argent. Donc, quand tu as l'argent, tu sens même que ta démarche devient un peu raffignolée. Quelqu'un qui n'a pas d'argent pris d'une certaine manière, hein. Même les langues là, c'est les langues des gens qui manquent. Mais quand quelqu'un sait, connaît les chiffres qu'il y a dans son compte, quand il prie en langue, il adore Dieu. Oh Père, mon Dieu, et il casse les chaises qui ne payent même pas. Seigneur. Oh Seigneur, tu nous as fait du bien. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Epiphany. Je te rends grâce. Je te bénis. Je te loue. Je t'exalte. Oh Père, qu'est-ce que je veux te demander? N'as-tu pas comblé de beaucoup de biens ton serviteur? Accepte seulement d'en donner aussi à ceux qui en manquent. Dans ta grande miséricorde, j'ai ainsi prié. Amen. Dis à ton voisin, vivre bien, c'est bien. Hein? Dis à ton voisin, vivre bien, c'est bien. Je maudis la pauvreté au nom de Jésus. Les gens qui n'ont pas d'argent ont beaucoup de temps. Surtout le temps de parler des autres. Mais celui qui a beaucoup d'argent, il cherche le moyen d'en avoir plus. En prenant l'argent dans les mains de ceux qui parlent beaucoup des autres. Comme il a fait pour Ésaü. Ésaü n'était même pas béni. Isaïe n'était même pas béni. Dieu ne l'a pas béni. Sa mère ne l'a pas aimé. Son père ne l'a pas béni. La terre n'est pas favorable. Le ciel est fermé pour lui. Mais Esaü est devenu riche.
J'aimerais vous choquer. Il est possible de réussir sans Dieu. Un chrétien dit, ah, daddy, pas comme ça, honnêtement. Tu vas faire... Il est possible de réussir sans Dieu et d'échouer avec Dieu. Hein? Je vais répéter. Il est possible de réussir dans la vie sans Jésus et d'échouer dans la vie avec Jésus. Ça sonne pas bien parce que j'ai associé échec à Jésus. C'est ce qui nous fait de mal. Mais allons sur le plan pratique. Ne connaissez-vous pas des hommes qui ont réussi sur la... Je ne parle pas du ciel, sur la terre, sans Dieu. Ne connaissez-vous pas des chrétiens qui ont échoué lamentablement avec Dieu à l'église? Parce que la réussite ne dépend pas du Dieu que vous priez. La réussite dépend des principes que vous appliquez. Il y a des païens qui n'ont pas touché aux fétiches. Ils savent épargner, ils savent investir, ils savent multiplier l'argent, créer la richesse et tourner l'argent. Et toi, quand tu le vois, c'est grand jour vers là. Et Zara Serkei, Nezo Tambo Laboué. Ozana Zou, Wakindo, Kinayo et comme mon Alifelo. La sorcellerie va t'amener en enfer. Parce que c'est une question de principe. Le principe ne regarde pas tu es grand, petit, homme, femme. Papa, quand le feu brûle là-bas, même si c'est un petit bébé qui vient toucher le feu, gna, 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 le feu ne dira pas, il est tout mignon, je ne le brûlerai pas. Non, et je m'efface. Piouf, et le feu s'éteint. Non, le feu va le brûler. Parce que le feu ne regarde pas qu'il est enfant ou pas. La violation des principes, même si tu es ignorant, ne t'épargne pas. Ça te fait mal, hein? Mais c'est la vérité. C'est à cause de ça que beaucoup de gens ne veulent pas prier notre Dieu. Parce qu'ils ont l'impression que c'est Dieu qui nous a fait échouer. Et pourtant, il était là, il t'a donné des principes, mais tu n'as pas appliqué cela. Voilà pourquoi quand on est à Sion, on doit avoir la science dans tous les secteurs de la vie. On doit avoir la sagesse dans tous les secteurs de la vie. Quand tu lis Proverbe, tu verras les principes de l'épargne, les principes de l'investissement. Dans Proverbe seulement, il y a tous les principes pour réussir économiquement à l'intérieur. Mais toi, quand tu lis seulement Proverbe, là, tu cherches les versets que tu aimes. Kopé sangai bobo laté, kopé sangai bozuité. Ne me donne pas abondamment, ne me donne pas un peu, donne-moi ce qui me suffit. C'est quelqu'un de la famille royale qui a fait cette prière. Cette personne avait déjà suffisamment ce qu'il fallait. Toi maintenant, tu n'as déjà rien, mais tu demandes encore que Dieu te donne rien. Ce soir, je voulais un peu nous ramener un peu à la logique. Frère, de Sion doivent sortir des sauveurs. Pour faire quoi après? Pour monter à la Sobra Labasa. Les sauveurs doivent faire quoi? Monter sur la montagne de Sion et de là, ils vont gouverner sur Édom. Édom, c'est qui? C'est Ésaü. On a lu avec vous, n'est-ce pas? Ésaü se sépare de Jacob. C'est Jacob qui était prédestiné à régner et sa postérité. Ésaü part, il épouse même dans la famille de Ismaël. Il s'en va loin. Dans la famille de, on l'appellera comment? Son oncle. Il va chez Ismaël épouser là-bas. Mais après, on dit que de la descendance d'Ésaü, il y a eu des rois, alors que de la descendance de Jacob, il n'y en avait même pas un seul. Et c'est ça notre problème. Jésus a dit dans Luc, il dit, mais les fils de ce siècle sont plus avisés que les enfants de la lumière. Généralement, c'est ceux-là qui n'ont pas Dieu, qui sont comme plus illuminés, qui ont plus de lumière que nous qui sommes dans la lumière. Il est possible d'être dans la lumière et de marcher dans les ténèbres. Et il est possible d'être dans les ténèbres et d'être plus illuminé que quelqu'un qui est dans la lumière. Et c'est le grand contraste aujourd'hui. Apôtre Arnaud, quand tu lis dans la Bible, vous allez voir clairement ici. Quand on parle de la descendance de Caïn, quelqu'un qui était rejeté par Dieu, on voit les descendants de Caïn faire évoluer la civilisation. Parmi eux, ceux qui bâtissaient des tentes près des troupeaux. Ils connaissaient l'architecture et la construction.
on voit ceux qui ont commencé, on appelle comment, Jérubal, avec Jubal, les instruments de musique. La musique a commencé par la descendance de Caïn. Ceux qui travaillaient le fer, tout ça, la métallurgie a commencé de la génération de Caïn. Mais juste après ça, Adam a eu un fils qui s'appelait Seth. Et c'est par Seth là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Pendant que la descendance de Seth faisait l'adoration, des louanges, élevait Dieu, élevait les autres étaient en train de bâtir une cité. Pendant que les justes sont en train de se concentrer à adorer, ceux qui ne sont pas justes sont concentrés à bâtir des immeubles. Va à la Gombe aujourd'hui, tu vas voir comment des maisons, des immeubles sont en train de pousser comme des champignons. Et pendant ce temps-là, toi tu dis bon exaté, bon exaté, président c'est le remonté, gouvernement est bimarara, bon exa bloqué. Frère, pendant que tu te plains, il y a des gens qui construisent. Ils sont à leur cinquième immeuble. Le dernier au niveau de Mimosa là-bas. Ils sont en train d'élever cinq niveaux. Dis à ton voisin et toi. Dis à ton voisin et toi. Oh, dis à ton voisin et toi. Je vais répéter cette phrase. Si tu n'as pas de terre, tu n'es personne sur la terre. Lève-toi là où tu es. Dis à ton voisin, voisin. Si tu n'as pas de terre, tu n'es personne sur la terre. Tu marches dans l'espace. Je lève ma main droite comme prophète. Tu finiras cette année propriétaire. Tu finiras cette année après avoir construit. Tu finiras cette année, on ne t'appellera plus locataire, mais on t'appellera propriétaire. Je parle comme prophète et j'impose cette grâce sur ta vie d'être propriétaire au nom de... Je peux déclarer sur vous. Je prends ce témoignage. Pasteur Faïd, t'as vient. C'est un témoignage. J'aimerais libérer cette grâce sur l'église que je dirige aussi. Quelqu'un est venu au bureau dernièrement. Prophète, je t'ai vu à Paris, je te cherchais, je ne t'ai pas vu. Il m'a donné des documents. Combien d'hectares? 3 hectares. 3 hectares, ça fait combien de parcelles à l'intérieur? De combien? 60 parcelles de 20 sur 20. 60 parcelles de 20 sur 20, c'est où? C'est à Impoko, à Maluku. Frère, on a fini à Nouka, je suis allé au bureau. Papa, les documents sont là. 3 hectares. Combien de parcelles? 60. Donc j'ai potentiellement 60 parcelles. Oui. Dis my father. My father, my father. Quelqu'un m'entend? Yeah. Je n'ai pas eu ça dans l'alcool. Je n'ai pas eu ça dans les fêtes. Je venais de prêcher. Je suis rentré, je me suis assis. Je lève ma main après ce témoignage. Que le Dieu qui m'a visité dans Hanouka et qui m'a donné 3 hectares de plus que ce que j'avais, je décrète et déclare sur vous. Je dis, je décrète et déclare sur vous. À partir de ce soir, Dieu vous donne d'être propriétaire. Cette année, vous allez acheter. Et vous allez construire au nom d'eux. Que les 300 personnes qui sèment sur cet autel, qui sèment sur cette déclaration, vivent et expérimentent cela au nom de Jésus. Yes. 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 Tu n'auras rien si tu ne considères rien. Sois spirituel dans ce que tu fais. Pasteur Faïta, viens encore donner aussi. Tu vas te donner d'autres hectares après ce que tu as. Amen. Fais-le en esprit. Fais-le sérieusement. Non, prends ton offrande, sème ici. Prophète Kainos, trouve chez quelqu'un, viens s'aimer ici. Je ne veux pas des fils spirituels qui sont pauvres. Des fils spirituels qui vivent des offrandes. Je veux des fils spirituels qui sont riches. Et je décrète et déclare que dans les années qui viennent, dans moins de 5 ans ici, là, on aura nos jets privés à l'aéroport de Djili. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je dis, on aura nos jets privés à l'aéroport de Djili. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Nous allons être riches mais humbles, riches mais saints, riches mais craignant Dieu. Riche mais espérant en une cité dont l'homme n'est pas le bâtisseur.
Quelqu'un me suit? Que Dieu te l'accorde ce soir au nom de Jésus. Je disais que Dieu te l'accorde ce soir au nom de Jésus. Je répète que Dieu te l'accorde ce soir au nom de Jésus. J'insiste que Dieu te l'accorde ce soir au nom de Jésus. Je dis que Dieu t'accorde ce soir au nom de Jésus. Amen. Nous avons besoin des sauveurs à Sion. Écoutez-moi, le monde de l'économie dans la RDC est malade et a besoin d'un sauveur. Le monde des médias est malade et a besoin d'un sauveur. Je disais cela à Herman Amis, sans être vulgaire, tu es en train d'éduquer les gens. J'ai dit, reste là, ne suis pas ce que les autres font. Reste là, sinon tu vas te dénaturer. Quelqu'un me suit? On a besoin des sauveurs sur le plan, dans le domaine de la comédie. On a besoin des sauveurs dans le domaine de l'éducation. On a besoin des sauveurs. Notre système éducatif est malade en Afrique et précisément au Congo. On a besoin des hommes qui sortent de Sion et qui sont des sauveurs dans ce domaine-là. Frère, là où Édom est en train de régner, là où Édom est en train de gouverner, là où Édom a des rois, c'est là où nous sommes appelés à pouvoir étendre le règne de Dieu dans ces secteurs. Dis à ton voisin, es-tu un sauveur? Dis à ton voisin, es-tu un sauveur? Je donne juste deux choses, simplement, et je vais prier pour vous à cause du temps. Le docteur Paul Enenche a dit quelque chose que j'ai aimé. C'est l'homme qui a la plus grande bâtisse aujourd'hui, c'est ça? Dans le monde, à Abuja. Abuja? Au Nigeria. Et c'est une phrase que j'aimerais relâcher dans l'atmosphère. Paul Enenche a dit, si tu veux vivre au-delà du temps, tu dois vivre au-delà de soi. Une des choses qui empêche les sauvés à devenir des sauveurs, c'est parce qu'ils ne veulent pas vivre au-delà d'eux-mêmes. Tu sais, quand dans ta vie, tu te comportes encore comme un enfant à bas âge, où tout doit venir de l'extérieur, ou même lorsqu'on te donne une sucette, on ne peut plus te la reprendre, sinon tu vas pleurer. Si cette mentalité t'accompagne jusque dans la politique, jusque dans une sphère élevée de la société où tu es directeur, il te sera difficile de partager. Il te sera difficile de déléguer le pouvoir. Il te sera difficile de préparer ceux qui viendront après toi. Pourquoi? Parce que tout doit tourner autour de toi et de tes besoins. Directement, tu es égoïste. Et Paul a dit à Timothée, dans les derniers jours, voilà ce que les hommes seront. Il donne une description parmi lesquelles les hommes seront égoïstes. En français courant, dans la description, on dit, les hommes seront insensibles. Une autre version dit, ils seront indifférents. Quelqu'un gagne des millions, mais il laisse les gens dans un quartier sans courant. Il n'y a que le groupe qui est allumé chez lui. Quelqu'un qui gagne de l'argent, il y a lui, ses frères et sœurs de la compagnie qui se font de l'argent, mais les enfants d'autrui qui travaillent même dans les bureaux ne sont pas payés. Et des hommes comme ça disparaissent dans l'histoire. Mais les hommes qui laissent des impressions transgénérationnelles sont ceux qui vont au-delà d'eux-mêmes. Frère, tu n'es pas le soleil autour duquel nous devons tous graviter. Nous avons un pays, nous avons d'autres familles. Nous avons des villages. Nous avons la guerre à l'est. Il est plus que temps de regarder au-delà de toi-même. Un sauvé ne pense qu'à ce qui le permet de bien vivre son salut. Mais un sauveur commence à voir au-delà de lui ceux qui ne sont pas sauvés comme lui il était. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour contribuer à leur salut? Dis à ton voisin, arrête d'être égoïste. La société a besoin de toi. Dis à ton voisin, arrête d'être égoïste. Ta nation a besoin de toi. Dis à ton voisin, arrête de ne penser qu'à toi. Les autres ont aussi besoin de toi. Voilà pourquoi à la porte des cieux, nous avons le mandat de sauver, de former les sauvés, n'est-ce pas? Qu'ils vivent intégralement les bénéfices de leur salut. Mais Dieu ne nous a pas destinés à entretenir des sauvés. C'est ainsi que vous avez le genre d'enseignement que vous écoutez ici. C'est pour vous préparer aux enjeux que nous avons dans notre nouveau siècle. On parle d'intelligence artificielle ici. On parle de spiritualité. On parle du travail, de l'économie. On parle de tous ces sujets que plusieurs ne veulent pas aborder. Parce que le monde dans lequel nous sommes et dans lequel nous allons entrer bientôt sera un monde qu'on ne va pas reconnaître du tout. Ma mère, quand elle a eu son premier téléphone, non, elle avait déjà les télécels, tout ça. Mais ça fait quelques années, je pense qu'elle avait un Blackberry ou je ne me rappelle plus. Ah oui, c'était un Blackberry. Maman a commencé à nous envoyer des pings. Ping, ping, ping. Vous vous rappelez? Ping, 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 ping. J'ai dit, mais la daronne là, depuis qu'elle a eu son Blackberry,
Elle ne nous fait que de ping, 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 ping. Qui se rappelle de ping ici? Ah, j'ai oublié. Ping, 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 ping. Elle nous dérange avec ça. Qui aurait cru que dans ce siècle, on aurait pu communiquer assis dans la famille devant un écran? Appel WhatsApp. On aurait pu travailler à la maison en télétravail. On aurait pu acheter. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont très modernes ici. Tu ne la verras pas en ville, hein? Ah non? Tu ne la verras pas dans les marchés, non. Elles passent son temps sur les sites. Elles ont des sites spécifiques. D'autres sont des assos, d'autres de ceci, de cela. Elles commandent ces trucs, ça arrive et puis on lui envoie ça. Sans tambour ni trompette. Que va-t-il arriver dans les 3 prochaines années? Dans les 5 prochaines années? Cette Hanouka est venue illuminer pour préparer les sauveurs à sauver la société de ce qui va arriver. Dis amen très fort. Amen. Dis amen très fort. Amen. Dis amen très fort. Amen. Deuxième chose que j'aimerais dire, sois spirituel. Frère, si tu n'es être spirituel, en fait, l'homme spirituel est la seule manière de survivre dans un monde où les ténèbres vont s'accroître. Être spirituel est la seule manière de survivre, de rester un chrétien qui craint Dieu, qui obéit à Dieu. Frère, à part la chaleur qu'il y a dans l'atmosphère, cette Hanouka a été difficile. Vous savez pourquoi? Ça n'a pas été difficile que pour vous ici. J'ai parlé à plus d'un serviteur de Dieu, frère. À part le soleil qui chauffe là, qui brûle, dans le monde entier, surtout ici en Afrique, l'atmosphère spirituelle de 2024 n'est pas bonne. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. La plupart des chrétiens n'arrivent pas à prier. Même à prier seul. Ce n'est pas qu'ils ont péché. Mais il y a comme... Les ténèbres sont devenues épaisses. Le prophète Makandiwa, que j'ai suivi aussi, a dit, Dieu l'a emmené en vision et il a vu les ténèbres. Dieu l'a dit, les temps dans lesquels vous entrez, les ténèbres vont être très, très, très épaisses. Le péché va s'accroître. Les ténèbres vont devenir encore épaisses. Les gens n'aimeront plus les églises, n'aimeront plus les pasteurs, n'aimeront plus la prière, n'aimeront plus la crainte de Dieu, n'aimeront plus les choses de Dieu. Si tu n'es pas spirituel, tu vas perdre la fréquence, perdre la connexion et tu vas être lobat. Lève la main droite. Dis, Seigneur, j'accepte et je décide d'être spirituel. Dis encore, Seigneur, j'accepte et je décide d'être spirituel. Je termine par ce témoignage. Il y a une sœur qui est au Canada, qui est congolaise, elle est Mouluba, elle est de Kananga, elle est au Canada. Elle prie dans l'église d'un ami là-bas. Elle arrive là-bas et elle perd sa vie de prière. Elle avait aménagé quelque part, elle a perdu sa vie de prière, elle n'a pas compris, prier c'est compliqué, lire la Bible c'est compliqué, bref, elle a perdu cela. Et les mois qui ont suivi, aucun souci pour aller à l'église. Elle ne voulait pas aller à l'église. Elle ne comprenait pas en fait de quoi il s'agissait. La sœur est tombée sur un homme qui était bien installé au Canada. Elle ne connaissait même pas l'adresse de cet homme. Il ne se voyait qu'ailleurs. Elle est tombée enceinte. En étant enceinte, c'est après qu'elle a remarqué que l'homme avait le sida. Quand on a commencé à prier pour elle et à faire la délivrance, Dieu a commencé à révéler à ses serviteurs au fait que ce n'est pas parce qu'elle était à Kinshasa que l'influence d'où elle venait l'avait lâchée. Parce que dans leur sorcellerie, on avait dit que cette fille-là, elle allait mal finir. Il y avait des problèmes dans la famille dont je vous épargne les détails. Lorsque tu as des origines et que les liens sont là, crois-moi, la distance physique ne coupe pas les liens. Et la distance dans le temps ne coupe pas le lien. Ce n'est pas parce que maintenant tu as 80 ans que les liens que tu as eus à 3 ans d'âge sont coupés parce que le temps est tellement passé que les liens ont vieilli. Le temps et l'espace n'ont pas le pouvoir de briser une alliance. Il faut un traitement spirituel. Au fait, la femme est tombée avec cet homme, pourquoi? Parce qu'on cherchait à la voir. Et les sorciers de là-bas ont parlé aux sorciers d'ici. Et les sorciers d'ici ont parlé aux sorciers de Montréal.
les sorciers de Montréal ont envoyé quelqu'un qui a aménagé juste à l'appartement en bas de l'appartement de la femme là. Donc tu vas voir quelqu'un qui cherche un appartement, tu ne sais pas pourquoi, le sorcier là a aménagé juste l'appartement en bas. Donc quand elle dormait là, lui il envoyait des fréquences au-dessus par l'envoûtement. Et la sœur ne sait pas, elle a perdu sa vie de prière. L'envoûtement, ce sont des fréquences qu'on libère sur quelqu'un. On peut te libérer des fréquences, tu ne sais pas comment, mais tu peux commencer à avoir mal à la tête. Tu n'as plus envie de prier. Ça t'est déjà arrivé d'être près d'un chauffe-eau qui chauffe vraiment. À côté de ça, ou même nous on a été au Zimbabwe, quand on parle de chauffage, des fois les chauffages là, c'est très manuel comme ça. Quand tu dors à côté, tu as mal à la tête à ton réveil. À cause de ce que ça dégage. Ce n'est pas que la chaleur. Ce que ça dégage là n'est pas bon pour le corps, pour l'organisme. C'est ainsi que l'envoûtement est. Tu peux être là, tu crois que tu ne pries plus beaucoup parce que la vie de prière a baissé à l'église. Et pourtant, ce n'est pas l'église. C'est le voisin d'à côté. On est en train de libérer des ondes vers toi pour te pousser à faire des choses ou à ne pas faire des choses contre ton propre gré. Tu dois prier, tu n'arrives plus à prier. Parce qu'il y a un voisin quelque part. Écoutez-moi, la sorcellerie est très bien organisée. Il est écrit, ils viendront contre toi par un chemin. Ils viendront par un chemin. Quand ils veulent t'attaquer, ils, de partout où ils sont, Kananga, Kinshasa, Montréal, Paris, partout, quand ils veulent atteindre un objectif, ils savent se mettre ensemble. Ils savent converger leurs efforts pour toucher la personne qui est la cible. Et pendant ce temps-là, nous, quand on veut atteindre un objectif, on va par chemin séparé. Cette sœur avec un enfant, sida dans le corps. Je ne connais pas la fin de l'histoire de sa délivrance, mais il faut que tu saches, si tu n'es pas spirituel, tu vas subir des choses dans ta, autour de toi et tu penseras que c'est un hasard. Et pourtant, le monde spirituel dont j'ai parlé a tout orchestré pour que tu tombes et que tu finisses. Puisque tu es dans Hanouka, en cette dernière semaine de Hanouka, le Dieu des esprits des prophètes va t'instruire, va te parler, va t'avertir, va t'éclairer, va t'informer afin que tu ne tombes pas dans un piège et que tu ne tombes pas dans la fosse. Mais tous ceux qui ont creusé une fosse pour te voir tomber, ils tomberont eux et leurs membres de famille au nom de Jésus. Lève-toi, acclame, on va prier. Lève-toi, acclame, on va prier. Lève-toi, acclame, on va prier. La solution, c'est la prière. Acclame, on va prier. Acclame, on va prier. Dépose tes affaires, plie tes bagages, dépose tout dans le sac. On va prier. On va prier. On va prier. On va prier. Est-ce que les sauveurs de Sion sont là? Est-ce que les sauveurs de Sion sont là? Je répète, est-ce que les sauveurs de Sion sont là? Plie tes bagages, on va prier. On va travailler dans la prière. Quelques minutes et puis on va partir. Est-ce que tu es prêt? Oh, est-ce que tu es prêt? Dis à ton voisin, nous allons prier. Je veux que nous puissions bouger dans la salle. D'accord? Plie tes bagages, mets à côté. Nous allons prier. Nous sommes ici dans une retraite de 40 jours. Nous allons prier aujourd'hui. Tu vas dégager l'atmosphère. Est-ce que tu es prêt? Dis avec moi, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, par le Saint-Esprit et sous l'autorité de ta parole, ce soir, je prends autorité contre toute fréquence, tout envoûtement, toute influence qui attaque ma vie de prière, qui alourdit ma vie de prière, la mienne et celle de ma maison. Celle de ma famille. Ce soir, je me débarrasse. Je sors de toute influence
qui étouffe ma vie de prière. Et j'envoie le feu sur toutes les personnes derrière ce programme qui consiste à me détruire en commençant par réduire ma vie de prière. Au nom de... Battez les mains, priez, circulez dans la salle. Maison. Il y a un mauvais vent dans ta chambre. Quand tu sors de l'église, tu as envie de prier. Une fois que tu mets ton pied dans la parcelle, l'envie de prier est partie. Tu as envie de prier. Une fois que tu mets ton corps sur le lit, tu t'endors. Dégage ta maison. Dégage ta chambre. Dégage ton salon. Dégage la parcelle. Libère le feu. Libère le feu. Libère le feu. Au nom de Jésus. Priez, priez, priez en ligne. Intercesseur micro, intercesseur micro. Priez, 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 priez. Désenvoûter votre maison. Tu dois désenvoûter votre parcelle. Va en esprit à la maison. Va en esprit dans la chambre des enfants. Va en esprit dans la chambre des parents. Va en esprit dans les toilettes et dans la cuisine. Dégage l'atmosphère. Libère l'atmosphère. Change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Priez, priez, priez. Dégage l'atmosphère. Dégage l'atmosphère de ta maison, de ta famille, de là où tu habites, de ton avenir. Va les mains là où tu es. Que ta vie de prière soit restaurée. Soit restaurée. Ah, alors que tu mets les mains, que l'Éternel dégage l'atmosphère de votre maison. Priez, priez, priez. Monte en prière, monte en prière. Mette ma boca, mette, mette. Mette ma boca, monte là, monte là. Ria, ria. Tina moto, moto. Moto, bébisa. Et bébisa, et tout ma. Les plans de l'ennemi contre ta vie de prière. Au nom de Jésus. Le feu, le feu. Mette ma boca, tina moto. Dynamoto, envoie le feu, envoie le feu. Alors que tu bats les mains, tu envoies le feu.
Dans ta maison, le feu. Dans ta maison, le feu. Ta chambre, là où tu dors, là où tu travailles, dans tes études, dans ta voiture, le feu. Bas les mains. Monte en prière. Monte en prière. Tu peux même sauter. Tu peux marcher. Tu peux battre les mains. Moto. Le feu est allumé ici. Le feu est allumé ici. Bas les mains là, tu es. Bas les mains. Détruis. Anouka de la lumière. Pendant que tu bats les mains, c'est lui qui combat ta vie de prière. Aujourd'hui, il tombe. Priez. Au nom de Jésus. Battez les mains une fois. Deux fois. Esaïe 54, 15 dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Après le témoignage que j'ai donné, j'ai senti qu'il y a des gens qui sont en ce moment victimes des complots. Il y a des complots qui se font qui n'ont pas encore été mis à l'exécution. Il y en a déjà d'autres qui sont déjà en train d'être mis en exécution. Il y a d'autres même déjà, tu es déjà tombé dans le piège. Mais ce soir, yes, la Bible déclare, mais quiconque s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Yes. Dis mon père. Mon père. Ce soir, je fais tomber sous mon pouvoir toute personne, tout regroupement, toute association des complotistes qui ont décidé de détruire ma vie, ma famille, ma santé et ma destinée. Ce soir, j'envoie le feu. Battez les mains, commencez à prier. Bas les mains. Le feu. Envoie le feu. Ma réunion n'a pas encore passé là qui. Contre Vinayo. Aujourd'hui, le feu. Envoie le feu. Pendant que tu bats les mains, tu es en train d'envoyer le feu dans leur réunion, leur groupuscule. Contre ta vie, contre ta destinée, aujourd'hui. Tout complot contre ta vie tombe au nom de Jésus. Bas les mains. Priez. Envoie le feu. Priez, tina moto, bas les mains. Et quand tu vas filer nyoso, va filer un complot, va boire kaki, contre fina yo, le loyo, alors que tu bats les mains, que cela soit brûlé. Priez, monte en prière ce soir. Allume le feu. Bas les mains. Beta, bondela. Tina moto. Le feu. Fire. Moto. Le feu. Tina moto. Bas les mains. Mets ma voix aussi comme ça. Monte en prière. Détruis le complot contre ta vie, contre ta famille. Aujourd'hui, pendant que tu mets les mains, que le complot tombe. Envoie le feu. Priez. Au nom de... Battez les mains une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Maintenant, tu vas prier pour que Dieu fasse de toi un sauveur. Quelqu'un m'entend? Quand on parle de sauver, c'est être sauvé de quoi? N'est-ce pas? Tu vas sauver qui et de quoi? Je crois que tu es le sauveur de ta famille. Yes!
des générations entières espéraient voir quelqu'un, une femme et un homme de la trempe de ta personne, qui pense comme ça pour la famille, qui posera des actes ponctuels pour la famille. J'ai prêché ça ici au programme des mamans. Mardoché n'a pas été reconnu parce qu'il a élevé ses enfants. On ne sait pas s'il en avait même. Mais son destin a été réalisé parce qu'il s'est occupé de la fille de son frère. Dans la famille, il y a un mystère. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette famille-là. Tu n'as pas qu'une responsabilité auprès de tes enfants. Des fois, tu es aussi un Mardoché. Peut-être que l'enfant de ton frère, la fille de ta sœur, peut-être que ce n'est même pas parmi tes enfants, mais l'étoile qui doit aider la nation se trouve dans la maison de ton propre frère. Quelqu'un me comprend? La famille, ce n'est pas juste papa, maman, les enfants. Il ne faut pas toujours voir les choses comme ça. Dans la famille, tu ne sais pas, c'est peut-être la fille de ta sœur qui sera première dame demain. Et si tu as joué le rôle d'une bonne tante ou d'un oncle qu'il faut, tu ne sais pas ce que tu seras demain dans la vie. Moïse a prospéré dans son ministère parce qu'il a écouté son beau-père. Il faut faire très attention avec la famille. Tout ne vient pas de ton mari, tout ne viendra pas de ta femme ou de tes propres enfants. Quand Dieu te met dans une famille, tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas sorcier. Quelqu'un m'entend? Dieu t'a aussi mis dans cette famille-là pour que tu sois responsable, un pilier. On n'a pas dit l'esprit de servitude. On a dit que tu sois la solution de ta famille. Quand tu iras au ciel, que tu vois tous les membres de ta famille là-bas au ciel. Quelqu'un me suit? Quand on sera enlevé là, que tu regardes, tu vois les membres de ta famille, que tu sois fier de les avoir amenés au ciel. Mais avant ça, sur la terre, que tu vois tout le monde positionné dans la société. Parce que toi, tu les as aidés. Par Joseph, tous ses frères ont logé dans le meilleur quartier. Ils ont habité dans les meilleures maisons. Ils ont eu les meilleures terres pour semer. Ils étaient à Goshen par leurs frères. Je crois que le salut, ce n'est pas d'abord pour le pays, mais c'est pour ta famille. Tu es l'espoir de ta mère. Tu es l'espoir de ton père. Tu es l'espoir de tes frères et sœurs. Ne dis pas que je suis le moins âgé ou la moins âgée. Dieu veut faire de toi le sauveur de ta famille. Quelqu'un me suit? Balance la main. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit? La famille est sacrée. Même si elle n'est pas parfaite, ta famille, mais tu as un rôle dans cette famille-là. Regarde d'un œil prophétique les enfants de tes frères, de tes sœurs. Il y a peut-être une Esther dedans. Ne te dis pas, c'est d'abord moi, ma femme, mes enfants, mon mari. Non, non, ne regarde pas comme ça. Tu n'es pas dans cette famille-là par hasard. Tu es certainement le Gédéon qui renversera l'autel de la maison de ton père. Cette semaine, c'est la semaine des familles. Dis à ton voisin, cette semaine, c'est la semaine des familles. Maintenant, tu vas commencer à prier. Est-ce que les membres de famille sont ensemble ici? Membres de famille? D'accord, cette semaine, on fera cette prière. Je veux que là où tu es, tu sois seul, commence à prier pour dire à Dieu, fais de moi le sauveur de ma famille. Et commence à prier pour le salut de tous les domaines que tu connais dans ta famille. S'il y a des maladies, des AVC, la sorcellerie, la pauvreté, le divorce, commence à élever la voix et à prier pour ta famille. Je te donne 3 minutes. Élève la voix et prie. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Tu as parlé à Satan et aux démons, aux sorciers. Maintenant, parle à Dieu en battant les mains. Priez, priez. Battez les mains. Sois le sauveur de ta famille. Alors que tu es en train de prier, tu es en train de déclarer, tu es le sauveur de ta famille. Prie. Monte en prière, parle à Dieu. Bats les mains là où tu es. Je suis le sauveur de ma famille. Dans les domaines du mariage, du travail, des finances, de la prière. Bats les mains là où tu es. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Par toi, le salut entre dans ta famille. Par toi, les mariages entrent dans ta famille. Par toi, les études, les diplômes entrent dans ta famille. Est-ce que quelqu'un peut prier? Bats les mains là où tu es. Tu es en train de prier.
priez. Parle à Dieu, bat le main. Par toi, la pauvreté tombe dans ta famille. Par toi, le célibat tombe dans ta famille. Par toi, la sorcellerie tombe dans ta famille. Alors que tu bats les mains, par toi, la lumière de Dieu entre dans ta famille. Bat les mains là où tu es. Papa, prie pour tes enfants. Maman, prie pour ta famille. Priez. Entre dans ma famille. Par moi, le salut entre dans ma famille. Par moi, la délivrance entre dans ma famille. Par moi, la lumière entre dans ma famille. Bas les mains là où tu es. Déclare ces choses. Par toi, la lumière entre. Par toi, le salut entre dans ta famille. Grâce à toi. Bas les mains là où tu es. Au nom de Jésus. Mets la main droite sur la poitrine. Pendant que vous étiez en train de prier, je sentais que plusieurs personnes disaient « J'ai envie de faire, mais je n'ai pas les moyens. J'ai envie d'aider, mais je n'ai pas les moyens. » À part le côté spirituel, tu es en train de vouloir être une valeur ajoutée dans la famille, mais tu n'en as pas les moyens. Cette semaine est la semaine de famille. Je vois Dieu te bénir suffisamment pour mettre ton père à l'abri. Dieu te bénir suffisamment financièrement pour mettre ta mère à l'abri. Dieu te bénir suffisamment pour mettre tes grands-parents à l'abri. Dieu te bénir suffisamment pour mettre tes frères et sœurs et tes fils et tes filles à l'abri au nom de Jésus. Tu es le sauveur de ta famille. Je dis tu es le sauveur de ta famille. Je dis tu es le sauveur de ta famille. Car de Sion où tu es, tu reçois la capacité de sauver même ta famille. Mets la main sur la tête maintenant. Pour cette société congolaise et pour tous les visiteurs qui nous suivent ou ceux qui sont en ligne en train de nous suivre, pour les pays où Dieu vous a établi, les villes où Dieu vous a établi, je décrète et déclare que le Sauveur en vous se réveille. Que le Sauveur en vous se réveille. Que le Sauveur en toi se réveille. Que le sens de responsabilité grandisse. Que tu apprennes et comprennes au maximum. Et que tu sois un agent de changement dans ta société. Afin d'amener le gouvernement de Christ dans toutes les sphères où Dieu t'a établi. Il en sera tel que j'ai prié et demandé au nom de Jésus. Amen. Que les saints de Sion acclament très fort. Viens vous asseoir. S'il vous plaît, protocole. Arrêtez. Les pasteurs, prenez les plateaux d'eau, les pasteurs. Asseyez-vous. Voilà. Asseyez-vous seulement. On vous donne un peu d'eau. Qui est béni ce soir? Bon, tu dis, qui est béni ce soir? Voilà, à votre soif. Pasteur, prenez. Levez juste la main, on vous amène de l'eau. Que cette eau soit prophétique. Hein? L'onction dans cette eau là que tu bois. Hein? Voilà, ma maladie est okende, ma fièvre est okende, ma paludisme est okende, ma myome est okende, ma hernie est okende, ma hémorroïde est okende. Le bas mène à bien. Levez juste la main, pasteur vient vers vous.
Quand un prophète donne de l'eau, même l'eau devient prophétique. Qui d'autre n'a pas eu de l'eau ici? Levez la main, s'il vous plaît. La chorale, ils ont beaucoup chanté Miséricorde. Il y a de l'eau. Quelqu'un fait. Dis à ton voisin, l'eau là, l'eau est spirituelle. Oh, hypertension, hypotension, après avoir bu de cette eau là, la tension se réajuste au nom de Jésus. Ton amen n'est pas bien, pourquoi? Si un féticheur te donne de l'eau dans sa maison de fétiche, l'eau là, elle peut être envoûtée. Hein? Cette eau est spiritualisée. Buvez-la dans la maison de Dieu. Ça va? Protocole, prenez les fiches pour les nouveaux venus déjà. Soit moko, mais la moko, kousing ami balete. Est servi. Qui d'autre encore? Pasteur, viens, viens, viens. C'est qui? Hello, maman.
Bon, on acclame pour le Seigneur. Dieu soit glorifié. Acclame bien, 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 bien pour le Seigneur. Là où tu es, prends ton offrande du prophète. On va venir sceller ce qu'on a reçu ce soir dans la présence de Dieu. C'est une culture chez nous ici à l'église. Nous connaissons la valeur de ces choses. Viens sceller ce message dans la présence de Dieu. On nous emmène les paniers rapidement devant. Vous êtes en ligne ce soir. Ne quittez pas ce live sans avoir honoré l'onction qui a travaillé ce soir. Sans avoir scellé ce message par cette offrande. Vous avez prié pour votre famille. Vous avez prié pour la responsabilité que vous devriez avoir. Laisse que cette offrande que vous donnez maintenant dans la présence de Dieu soit un sceau qui est posé et active cette nouvelle étape de votre destinée où vous n'êtes plus un sauvé, mais vous êtes un sauveur. Père, bénis ces hommes et ces femmes qui viennent honorer ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Avancez, déposez dans le panier. Que Dieu vous bénisse. Sont venus pour la première fois à l'église Porte des Cieux. Nous voulons juste vous accueillir. C'est la première fois de venir parmi nous. Merci de vous lever, s'il vous plaît. À part ceux qu'on a reçus déjà, ceux qui sont là pour la première fois, veuillez vous lever. Est-ce que les voisins sauveurs peuvent se déplacer et les saluer? Bienvenue à la Porte des Cieux. Bienvenue. Tous les voisins, soyez gentils. Bienvenue à la Porte des Cieux. Bienvenue à la Porte des Cieux. Restez debout, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Mon frère, qui vous a invité ce soir? La télé, Internet? Pardon? Vous avez vu l'affiche? J'avais vu l'affiche sur une de vos filles, Kenya, vu que je parle avec elle. J'avais regardé, c'était vers 15h déjà. J'avais vu sur son statut et puis j'ai juste fait. Dis à ton voisin, sur ton statut aussi, il faut poster, car tu ne sais pas qui peut venir. Tu as été béni ce soir? Comment t'appelles-tu? Je suis Enoch Ngonda. Enoch Godard. Ngonda. Ngola? Enoch Ngonda. Ngonda. Ok, Ngonda. Ça me rappelle le nom de quelqu'un. Ngonda. Ok, Dieu te bénisse. J'espère qu'on va te voir demain et cette semaine. Merci. Qui vous a invité, s'il vous plaît? Un jour, quelqu'un dit, je vous ai vu en rêve. Et vous? En fait, je suis le live et aujourd'hui, je tenais à venir et je suis là. Vous êtes deux? En fait, je suis de... Je n'ai pas compris la question. Qui vous a invité? Personne. Je suis le live, je suis votre live, je tenais à venir aujourd'hui et je suis là. Tu as été béni? Oui. Waouh. Et vous? Excusez-moi, live, télévision... Internet. Sur Internet. Facebook, Internet. YouTube. YouTube. D'accord. Et vous, madame? Personnellement, je connais un de vos pasteurs. Alors, lui qui me parle souvent d'Anouk quand je me tais. Quel pasteur? Christian Poy. Ah, pasteur Christian. Qui a dit que Christian n'invite pas les gens ici? Dieu te bénisse. Donc, c'est lui qui vous a parlé d'Anouk. Anouk, Anouk. Ouais. Dis à ton voisin, parle aussi à quelqu'un de Anouk. Merci mon fils. En tout cas, je suis content. Donc, il vous a invité, vous êtes venu? Non, il ne m'a pas invité personnellement. Je me suis dit de venir. Ah, en tout cas, il t'a trop dérangé. Après un temps, tu as décidé de venir. Oui. Vous avez été béni? Oui. Ok. Demandez à la soeur. Oui? Sœur Mireille. Sœur Mireille. Oui. Telle est ma sœur Mireille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, nous vous avons remis quelques fiches. Veuillez les remplir, s'il vous plaît.
Et dès que le culte est fini, vous allez voir un protocole juste à l'entrée de l'église. Avec un panier, vous pourrez glisser la fiche que vous avez eu à remplir entre les mains du protocole dans le panier. Amen, amen. On a été bénis ce soir. Allez, on va tous être debout pour clore la prière et rentrer dans la paix du Seigneur. Pasteur Dani, le Ilanga Mouké s'est passé où? Il n'y en aura pas cette année? Au Congo, on a comme une petite saison sèche comme ça, février, mars, mais on dirait que cette année, les anges ont décidé de nous en priver. Parce qu'il fait très très chaud. Oh oh! La chaleur est intenable. Dis à ton voisin, malgré ça, cette semaine, je serai là. Amen, amen. Je peux vous bénir. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion de l'Esprit rentrent avec chacun de vous. Que Dieu nous bénisse alors que nous rompons ce jeûne. Il renouvelle nos forces pour cette dernière semaine, cette dernière ligne droite. Et que nous puissions témoigner sa gloire et sa fidélité. Que Dieu t'élève comme un sauveur de ta famille, un sauveur de Sion qui vient pour dominer sur la montagne de Édom. Et pour que le gouvernement soit au Seigneur. Sois un agent de changement, celle de la terre et lumière du monde, dans ta génération, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à vous tous, soyez bénis. Bonne soirée et on se retrouve à minuit pour...